Ce soir donc, il sera question de Sicile. Nous allons passer. D'accord. Je vais tout de suite vous montrer ce qui est un peu le frontispice du jour. C'est une affiche de la toute fin du XVIIe siècle, 1699. C'est une allégorie de la charité. Un des détails de l'oratoire du Rosaire de Saint-Laurent. Mais il a en même temps une sorte d'activité, une sorte de sensualité extrême que les bassistes de la Sicile, et d'autre part d'ailleurs vous avez les bassistes de la Bavière, ont parfaitement compris. Ce sont ces amis grands estucateurs du sud que l'essentiel de notre rencontre est consacré à Giacomo Serpota, qui est certainement le plus grand artiste du baroque en Sicile. Donc, Sicile, il faut notamment que nous en fassions une introduction rapide. Pas l'histoire de la Sicile, ça nous emmène beaucoup trop loin, mais on a quelques repères fondamentaux, du moins ceux qui sont en rapport étroit avec ce qui va être cité ce soir. Je vous rappelle, mais ça tout le monde le sait, la Sicile est le plus extraordinaire carrefour de l'Occident. Il y a des terres comme ça qui ont le privilège d'être des terres sur lesquelles tout le monde passe et tout le monde laisse quelques traces de sa propre civilisation. Si vous voulez, sur une échelle un peu plus large, la Turquie a eu cette chance d'être le faire de passage plus ou moins invraisemblable. En Europe, la Sicile est certainement l'un des carrefours clés les plus marquants. Je vous rappelle qu'au fil des millénaires, elle a été d'abord sicane, puis sicule, puis phénicienne, puis grecque, ce qui nous a valu comme nos ensembles, des légendes, des sédiments et de ses gestes. Qu'après cela, aussitôt, elle a été romaine, puis barbare, sous le joug d'abord des Vandales, puis des Goths. Elle était byzantine, et cette période byzantine a laissé d'abondantes traces, notamment dans les grandes églises de Palerme, notamment la Martorana, qui est bien connue. Elle était ensuite arabe, et la domination arabe, là aussi, a laissé des traces extrêmement importantes, notamment dans ce goût des jardins, et donc l'agencement de l'espace, qui marquera toute la civilisation sicilienne. Après quoi elle est revenue à l'Europe, elle était d'abord normande, souabe et angevine, au moins jusqu'aux rêves siciliennes, c'est-à-dire au moins jusqu'en 1282, comme chacun le sait. Et à l'heure où nous allons reprendre, elle est espagnole, et cela depuis 1415. Vous voyez que ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, et surtout ça fait beaucoup de traces dans le passé atavique et dans la mémoire atavique du Sicilien. Il y a l'ordre grec, il y a le gigantisme romain, il y a la somptuosité et la coloration byzantine, il y a la transparence arabe, il y a de nouveau la discipline de la ligne souabe, il y a la douceur angevine naturellement, et maintenant la rigueur espagnole. Ça fait beaucoup, surtout quand on commence à voter pour le baroque, parce que naturellement ce baroque sicilien va être teinté de tout ce qui a été précité, et vous allez voir qu'il a en Sicile le baroque un ton extrêmement particulier. Mais pour l'instant, nous en sommes à un bref rapport, un rappel historique. Je vois donc, une fois encore, que la Sicile, comme nous l'apprenons aujourd'hui, est donc espagnole. Alors, je vous rappelle que le roi d'Espagne, bien sûr, règne en Espagne, et que la Sicile est administrée par un vice-roi. Ce vice-roi, ou plutôt ces vice-rois, qui vont marquer le XVIIe siècle sicilien, ces vice-rois représentent les majestés de trois rois d'Espagne. Philippe II d'Espagne, qui s'appelle Filippo II en Sicile, comme par hasard. C'était Philippe III d'Espagne, qu'on appelle Filippo II en Sicile. Philippe IV d'Espagne, qui s'appelle Filippo III en Sicile. Et Charles II d'Espagne, qui s'appelle Carlo III en Sicile. Que ça ne vous étonne pas, vous savez bien que lorsque on possède la couronne de plusieurs royaumes, vos numéros dynastiques peuvent changer infiniment parce qu'ils se rattachent bien sûr à une histoire qui est une histoire locale. Autrement dit, quand vous allez vous mettre à lire sur la Sicile et que vous chercherez les traces de Philippe III, souvenez-vous, c'est Philippe IV, et quand vous verrez mention de
Ces rois d'Espagne ne viendront jamais en France. Le XVIIe siècle est une période où l'Espagne a bien d'autres problèmes. Dans la première partie du siècle, s'occuper de mettre en place son empire colonial, et dans la deuxième partie du siècle, ce qui est nettement moins rigolo, entrer dans les fameuses guerres de succession qui vont assombrir, notamment à la fin du règne de Louis XIV, dont nous nous moquerons ce soir, mais assombrir en tout cas ce bon âge de l'histoire d'Espagne. Donc les rois sont totalement absents et se désintéressent totalement, radicalement, absolument de la Sicile. Autrement dit, les vice-rois sont véritablement de petits potentats. Et ils exerceront en Sicile un pouvoir de potentat. C'est-à-dire que tant qu'ils pourront saigner la Sicile, ils la saigneront, et cela avec une virtuosité absolument extraordinaire. Ce qui fait qu'ils sont haïs par les Siciliens, mais assez forts et assez légitimés pour être incontestés. Il y a donc une autorité centrale, celle du vice-roi, abominée par tout le monde, et juste en dessous, une aristocratie. L'aristocratie sicilienne, comme vous le savez bien, ce n'est pas rien du tout. C'est même la plus extraordinairement fière de toutes les aristocraties italiennes, notamment, et européennes, peut-on dire. Les princes Branciforte, par exemple, Valguarnera, les Verzura, les Della Cerda seront, au XVIIe siècle, des gens qui, fiers de leur privilège, se retrouveront toujours à figurer dans les fastes de la cour des Espagnols, qu'ils détestent comme tout le monde, donc ils vont se créer des cours intérieures, des cours parallèles, des cours schismatiques, qui naturellement coûteront à l'entretien infiniment cher et finiront de ruiner ce que les vice-rois n'ont pas ruiné. Si vous préférez être voisin plus simple, le XVIIe siècle sera le siècle d'une totale banqueroute en Sicile. On construira beaucoup, on sculptera beaucoup, on peindra beaucoup, on fera beaucoup de très belles fêtes, soit autour des vice-rois, à Palerme donc, soit dans les différentes cours des différents princes, ducs et marquis légitimes de la Sicile autochtone, mais toujours est-il que les caisses se videront totalement et radicalement. Il n'y a pas de rococo sicilien parce que les Siciliens n'auront plus de quoi se payer du rococo, c'est aussi vite vu. Autrement dit, nous ne pourrons parler de Sicile littéralement que ce soir, parce que c'est la dernière des grandes étincelles et des somptueuses étincelles de la civilisation sicilienne à proprement parler. Finissons-en avec l'histoire est finie d'ailleurs, le petit profil simple que je vous ai posé est, je pense, parfaitement acquis. Passons maintenant à l'art, quelques généralités sur l'art de ce XVIIe siècle, après c'est quelques généralités sur l'histoire. Ben, le XVIIe siècle en Sicile, comme partout, sera le siècle du baroque, c'est assez dit, et vous l'avez vu déjà à l'instant. Mais vous allez voir et constater et remarquer que c'est vraiment un drôle de baroque, mais vraiment un drôle de baroque, car en fait, il puise ses racines à trois souches fondamentales, car il a eu en fait trois apports fondamentaux. Le premier de ces apports est un apport qu'on pourrait appeler spirituel et dogmatique. C'est l'apport de Rome. Pour vous souvenir, je vous l'ai dit, la papauté a adopté l'expression baroque comme une sorte d'expression officielle d'obédience à la Sainte Église. Et baroque qui reconnaît l'autorité du pape. Par la même, les Siciliens la reconnaissant comme il se doit, il y a un baroque romain. Il y a un baroque jésuite qui va s'installer à Palerme d'abord, puis dans toute la Sicile. Si vous voulez, c'est la première des racines de cet étrange baroque sicilien, une racine que je disais être politico-spirituelle, mais plutôt spirituelle, c'est celle d'une reconnaissance de l'ordre romain. La deuxième racine, sur trois, est simplement espagnole, naturellement. Les vice-rois sont espagnols, de famille espagnole, de culture espagnole, de langue espagnole, d'expression espagnole. Or, il y a, vous le savez bien, un baroque espagnol, extraordinairement réellement, extraordinairement coloré, extraordinairement dramatisé. Eh bien, les vice-rois vont implanter cette coloration, cette passion, cette dramatisation en Sicile. Donc, l'austérité du baroque strictement romain va être comme éclatée par l'exubérance du baroque espagnol. Et enfin,
troisième, si vous voulez, les modes de complexité de cette étrange baroque, c'est tout simplement la racine sicilienne. C'est-à-dire le résumé de tout ce qui a précédé. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'un sculpteur sicilien se met à sculpter une pierre sicilienne, il ne peut pas s'empêcher de souvenir qu'elle sera Sicano, Siculo, Fenisso, Greco, Romano, Vandalo, Bizantino, Arabo, Normando, Suavo, Angevine. Tout, si vous le voulez, le passé culturel va naturellement ressurgir dans ces œuvres-là. Véritablement donc, vous avez trois, j'ai dit racines, dites mâchoire si vous préférez, au baroque sicilien, celui qui est exigé par l'histoire, le baroque romain, celui qui est exigé par les circonstances, le baroque espagnol, et celui qui est exigé par le sang, le baroque sicilien. Donc il sera à la fois sévère comme on est sévère à Rome, véhément comme on est véhément à Madrid, et bigarré comme on est bigarré à Palerme. Voilà ce que vous voulez, et au départ, un petit tableau de ce que sera ce parc. Maintenant qu'il est temps que vous commenciez à voir, je vais vous proposer un premier tour de ville. Un premier tour de ville rapide en trois stations. Nous allons nous rendre d'abord à Palerme, puis à Syracuse, puis à Erice. Pourquoi? Parce que Palerme est la capitale, et naturellement le baroque y est une expression, comment dire ça, officielle du siècle. Syracuse, parce que c'est l'idéal de la ville dans laquelle, ou plutôt de laquelle, l'autorité des dix rois était assez absente, et par la même ville, l'aristocratie pouvait construire d'insolents monuments à sa grandeur, et Erice enfin, parce que c'est la toute petite bourgade patricienne, c'est presque le village croché comme ça sur la falaise, donc vous avez la capitale, la ville de province et la bourgade qui me paraissent être trois niveaux d'approche du baroque assez intéressant. Et cela simplement pour vous montrer quelques exemples de ce que l'on a construit à cette époque-là, pour que vous puissiez mesurer et tout de suite la qualité économique de ce baroque sicilien. Alors si vous êtes d'accord, on part tout de suite. Au centre même de Palerme avait été érigé en 1574-75, donc on peut dire encore en période maniériste, une fabuleuse fontaine. Cette fontaine, c'était la fontaine de la place Pretoria, c'est encore la place Pretoria, ce qui est entre nous. Cette fontaine a une histoire toute sicilienne, c'est-à-dire que, commandée à des Florentins par un banquier florentin, mais non payée parce que les banquiers font banqueroute à la fin du XVIe siècle, elle avait été rachetée second hand, en seconde main, par les palermitains qui n'avaient pas de quoi s'en offrir une vraie telle à eux. Quand ils ont vu l'arrivée de leur fontaine en pièces détachées, ils l'ont simplement trouvée pas assez folle pour eux. Alors ils ont rajouté encore une partie du décor le plus étrange, le plus bigarré, le plus curieux qui soit. Voilà les escaliers qui mènent à la fontaine. Voilà la fontaine elle-même, qui est une sorte de gigantesque piscine probatique, entourée de nains et d'adolescents plus ou moins ambigus, parce que Florentin est un 16e, auquel les palermitains ont rajouté, regardez comme c'est bizarre, un rhinocéros, une girafe, un crocodile, puis quelque chose qui doit bien être un chameau, comme ça, par là au milieu. Il y a donc toute une espèce de bestiaire parfaitement inattendu et pour finir parfaitement surréaliste qui vous montre bien déjà sur quel coup de l'étrange le baroque va s'implanter. Alors, je vous rappelle, cette œuvre-là est encore une œuvre maniériste. Alors, faisons naître le baroque, on passe de 1574 à 1620-1630. Voilà les premières expressions du baroque palermitain. Alors, à première vue, comme à deuxième vue, ces bâtiments-là sont parfaitement romains. Et c'est vrai, et c'est vrai. Ce centre de l'ordre, ce centre et ce jeu de la diagonale, pardon, de la verticale et de l'horizontale, cette façon à la fois très somptueuse et très calme et très sereine de mettre en place les niches, les figures et les sculptures, nous montre une parfaite connaissance du bassin romain, c'est-à-dire du bassin originel du baroque. Jusque-là, je veux bien. Mais n'oubliez pas, ça c'est le premier baroque. Quand on fait du premier baroque, on obéit aux normes du baroque établi. Quelques années plus tard, une œuvre comme celle-ci est impensable. Car immédiatement, on va se mettre à la tricoter, on va se mettre à la trifouiner, on va se mettre à vouloir chercher autre chose, et c'est cette autre chose que nous allons petit à petit découvrir. Donc ça, l'un des quatre immeubles de la très belle place des Quattro Pranti, la place des
le tout premier baroque. Tandis qu'après plus tard, voilà le deuxième baroque. Alors l'œuvre est absolument admirable et étrange. Étrange, si vous voulez, de par la configuration même de l'édifice, mais aussi de par le caractère de totale ruine dans lequel il se trouve aujourd'hui. C'est certainement le plus beau palais de l'apogée du baroque à Palerme, mais aujourd'hui, il tombe en ruine. Ou plus exactement, hier, quand la photo a été faite, il y a 3 ans, ça tombait en ruine. Peut-être que maintenant, ça s'est encore amélioré, si j'ose dire. Voilà donc le piano nobile avec ses successions de baies, les unes surmontées par une petite fronton en plein cintre, les autres par un fronton brisé, avec l'orgueilleux blason de la famille au-dessus. Voilà vu en détail cette fenêtre d'honneur donnant sur le balcon au niveau duquel le maître de maison pouvait assister notamment aux sacro-saintes processions du vendredi saint. Voilà le pierroïde intérieur avec des boutiques et des têtes d'animaux. Au-dessous, bien entendu, des appartements du piano nobile. Avec, vous le voyez déjà, un changement d'ordre dans le balcon qui jusqu'alors était le balcon à la romaine, à fond droit, est en train maintenant de se renfler à la sicilienne, c'est le fameux balcon en poitrine d'oie, comme on l'appelle là-bas, balcon poitrine d'oie que vous allez retrouver à travers toute notre rencontre de ce soir. Et voyez qu'on commence à voir apparaître des musiciens, des vertus théologales, des vices aussi parfois en figure aux côtés même des fenêtres. Voilà une dernière fois les armes de famille. Vous voyez qu'elles sont encore agrémentées d'un aube en lierre de nos jours. Cela servant à entrer dans la cour d'honneur. Et voilà l'entrée de la cour d'honneur dans laquelle le génie sicilien veut qu'on ait mis un palmier qui a exactement la coiffure du porche qui lui sert de chapeau. Vous remarquerez en effet que le palmier obéit absolument au centre de la porte, et cela avec un espèce de génie populaire qui est vraiment le fait même des Siciliens. Palerme donc, une première étape et une première expression d'un baroque dont je vous ai dit déjà qu'il est très marqué et par Rome et par l'Espagne, le Palerme et le Pierre, donc ce sont encore des œuvres sages que vous avez vues jusqu'ici. Partons maintenant pour Syracuse et pour un seul monument à Syracuse, mais à mon goût, je n'engage que moi, l'un des plus beaux monuments du baroque en Sicile et même l'un des plus beaux monuments du baroque, point. C'est le palais Vescovano qui, dès le XVIIIe siècle, est devenu le palais de l'ordre de Malte. C'est un palais de la fin du XVIIe, donc de l'époque du grand baroque en Sicile, d'une qualité d'architecture étourdissante. Vous remarquerez en effet, très rapidement, et même déjà au niveau de cette première diapositive, qu'il n'y a pas un pan de mur qui soit véritablement droit, mais que partout il y a une légère, à peine marquée, incurvation qui donne toute sa nervosité à une façade comme celle-ci. Regardez par exemple ici, au niveau même du balcon d'honneur, c'est franchement dit beau comme Bernin se réveillant d'un cauchemar, si vous le voulez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, c'est plus Bernin que Bernin, c'est une sorte d'expressionnisme à la Bernin, mais admirablement réalisé ici, peut-être sans antenne de télévision, mais ça, c'est une autre histoire. Vous remarquez d'ailleurs qu'on retrouve des recettes de Bernin, notamment ce besoin d'encadrer les grandes baies d'honneur avec des colonnes géminées, de façon à élargir et par là même à rendre plus majestueux encore l'espace. Voilà l'étage noble, le piano nobile, juste en dessous, avec de nouveau une très belle fenêtre centrale, mais qui, au lieu d'être simplement surmontée par soit un plein cintre, soit un angle brisé, comme cela devrait être, est devenu une sorte de cadre vénéto-mozarabe, un siro-tyrolien, comme dirait l'autre, n'est-ce pas? Vraiment extrêmement étrange ici. Et voilà enfin la porte où l'architecte, qui est d'ailleurs curieusement anonyme pour un chef-d'œuvre de cette qualité, car vraiment je parle de chef-d'œuvre, l'architecte est anonyme, voilà la porte qui reprend donc ce principe des colonnes géminées que nous avons vu déjà à l'étage supérieur, mais ici exalté encore. Du coup, l'escalier prend lui-même une somptueuse majesté. Et voilà enfin le mascaron, naturellement grimaçant, qui marque l'entrée même aux appartements, c'est-à-dire l'entrée même à la grande volée d'escalier. Donc vous voyez, par cet exemple du palais Vescovano à
Syracuse, anonyme hélas, non daté en fait, mais datable, disons, des années 1870, comme vous le disiez tout à l'heure, vous avez là, disons, un premier exemple de cette sorte de dépassement des normes d'un baron traditionnel, sous l'égide de la grande aristocratie sicilienne, dans une ville comme Syracuse. Puis maintenant, alors, on repart et nous arrivons à Erice, où il ne s'agit plus naturellement ni des vice-rois espagnols, ni des princes siciliens, mais d'un petit patricianat, pourrait-on dire. Voilà ce profil de la Erice baroque. Dis donc, c'est pas mal. Le profil de la Erice baroque, dont nous allons parcourir comme ça quelques passages. Naturellement, qu'à Erice, beaucoup mieux qu'à Syracuse ou qu'à Palerme, l'unité du ton baroque est demeurée, car en fait, l'urbanisme n'a quasiment pas évolué depuis, disons, les premières années du XVIIIe. Vous avez donc encore le pavement original des rues et surtout la rythmique originale et les fenêtres et les portes ici, avec, vous voyez, un assez somptueux clocher à l'arrière-plan qui doit vous rappeler énormément le campanile qui se trouvait avant à côté du Gesù. Mais c'est dans les maisons patriciennes, comme je vous le disais, qu'on a les plus beaux exemples, mais aussi les plus curieux exemples de cette espèce de baroquisme effréné dans lequel petit à petit se sent gagner la Sicile. Regardez cette fenêtre, elle fait partie d'une maison relativement modeste, disons bien. Donc vous voyez, aucune ornementation sur la façade, tout a été consacré sur le tour même de la porte-fenêtre, mais avec alors là un sens du rinceau qui devient de plus en plus exubérant. C'est encore plus net ici avec cet encadrement de porte, motif de conque, bien entendu, motif de volute, bien entendu, là encore comme à Rome et même comme à Palerme, mais vous le voyez, dépassé par le caractère infiniment ornemental et délibérément ornemental que l'artiste a voulu donner ici. Vous avez en tout cas pu prendre conscience, je pense déjà, qu'il y a véritablement une âme. Il y a, si vous voulez, une façon d'envisager toute forme d'art et le baroque en particulier qui est vraiment très insolite en Sicile. Eh bien, cette âme sicilienne se déploie dans toute sa grandeur, principalement un jour dans l'année. C'est le jour le plus baroque de l'île. Ce jour-là, c'est le jour du Vendredi Saint. Mais pour être plus exact, l'après-midi, la soirée et la nuit du Vendredi Saint. Car vous savez sans doute, c'est très connu, la Sicile vit alors ces processions du Vendredi Saint qui sont absolument uniques au monde. Et pour saisir l'âme sicilienne dans son sens du tragique, du pathétique, mais en même temps dans son sens du rire, de l'humour, je crois que rien ne peut être plus indiqué que de suivre une procession de Vendredi Saint. Donc je me suis dit que la procession de Vendredi Saint est en bas excellence d'un atmin baroque, peut-être que le mot atmin ne choque personne, ça c'est pas l'intention en tout cas, j'ai décidé de vous montrer deux processions de Vendredi Saint. Alors je sais que ce ne sont pas des diapos baroques, mais vous verrez que c'est des diapos justement baroques. Et comme ça vous fera comprendre vraiment que le baroque est presque par définition une exaltation de l'âme sicilienne. Alors j'ai choisi deux processions, on ne va pas les intimider, détailler, craindre, mais deux processions qui me paraissent importantes. Je vais vous dire tout de suite pourquoi. D'abord parce qu'elles s'opposent. L'une est une petite procession provinciale, l'autre c'est la toute grande procession. La petite procession c'est celle de Erice, et qu'on ne quitte pas Erice. La deuxième, la plus grande, c'est celle de Trapani. Et vous savez que les Trapaniens reviennent de New York et de Washington, chaque année pour le Vendredi Saint dans le Chrysler pour assister aux processions, vous les verrez d'abord à l'instant. Mais si j'ai aussi choisi Erice et Trapani, c'est parce que ce sont les deux dernières villes de Sicile où les tableaux de la Passion sculptés qu'on porte sont encore les tableaux de la fin du XVIIe et du début du XVIIIe. Donc les œuvres que vous verrez porter sont des œuvres fondamentalement baroques. Ce que j'aimerais que vous déceliez au travers des quelques diapositives qui vont suivre, c'est la ferveur baroque dans laquelle, en 1985, encore, on fête ce Vendredi Saint.
Alors d'abord, la petite procession des Ricchets, avec, si vous l'avez dit tout à l'heure, on ne commence pas par le cacher, un curé hilar, parce que c'est vraiment le plus beau jour de l'année, il n'y a strictement aucun doute. Alors, il s'agit de groupes sculptés. La Sicile, on a le privilège, avec l'Espagne principalement, représentant les grands moments de la passion du Christ. Vous retrouvez ça dans nombre de pays de tradition catholique traditionnaliste, mais aucun groupe n'a été traité avec autant d'amour, donc n'est mieux préservé que les groupes de Sicile. Ils sont chaque année, littéralement, repensés pour être absolument parfaits. À ériger, en tout cas, la qualité stylistique était tournissante. Il s'agit de bois stuqués, recouverts de toiles et polychromés, qui ont encore ici des couleurs originales, bien entendu, exaltées, mais pas encore des couleurs originales. Et vous voyez, je pense déjà maintenant, la violence et la passion de cet art-là. Vous savez sans doute que Représentant de rue, on porte ces moments de la passion à travers toute la vie. Et à la fin arrivent deux figures, entre guillemets, obligatoires. L'une, c'est le cercueil du Christ, que vous voyez passer ici, dans un extraordinaire décor d'orchidées derrière, qui vous signale de lui, à plaisir, pour avoir la plus belle procession, donc une image de Christ couché sur son lit d'orchidées. Par une étonnante figure, la Vierge de Passion, recouverte comme une Sicilienne de son grand voile noir, tenant à la main comme une Sicilienne le mouchoir de dentelle. Très souvent pleurant des larmes de diamants, remarquable à ériger, c'est le cas tout au moins à travers. Ce que vous voyez ici pourrait donc absolument appartenir à la procession de 1690, si j'ose m'exprimer ainsi. C'est exactement et rien n'a changé à tout domaine de cette première procession. Clairement la marche, ainsi, la Vierge pleure la dignité de sa douleur à travers toute la vie, comme tous les tableaux qui ont précédé. Cela fait quelques images de cette première procession de Ériger. Arrêtons-nous maintenant un peu plus, et vous allez voir pourquoi, à celle de Trapani. Celle de Trapani est gigantesque, parce qu'elle est mondialement, universellement, cosmiquement connue. Donc, à l'heure actuelle, chaque corps de métier, chaque corporation est responsable de leur groupe, qu'il doit porter, bien entendu, c'est déjà une entreprise, vous le verrez, mais qu'il doit aussi décorer. Alors, du même coup, s'il y a une espèce d'émulation absolument invraisemblable dans le nombre de figurants pénitents qui précèdent, le nombre de figurants pénitents qui suivent, la qualité de la fanfare, l'adaptation absolument invraisemblable pour tuba et accordéon des motifs les plus beaux de la norma de Bellini, mais au rythme d'un cantique. Émulation nationale dans une ville comme celle-ci. C'est le plus célèbre maestro de fanfare de toute Sicile. Puis alors donc arrive ce qui, heure après heure, parce que ça dure des heures et des heures, porte les différentes marques des différentes corporations. Très jeune fille, restant habillée de noir et de blanc comme il se doit. Et jeune homme dans des costumes 19e ou même antérieurs portant les lanternes.
pénitents, vous en avez un bel exemple ici avec une fanfare de pénitents. Ces pénitents d'ailleurs un chef, le voilà. Celui-là a pour mission fondamentale d'écarter la foule qui voudrait manifester le trophée son émoi. Puis suivent donc toute la série des petites religieuses, c'est donc les très jeunes filles dont on parlait tout à l'heure, et en guise d'espoir, il y a même d'adorables gosses qui sont les enfants du paradis. Et enfin arrivent les groupes, c'est-à-dire à un moment donné, rythmés de façon extrêmement étrange et comme carottés à travers la foule, passe donc le Christ en outrage, le Christ à la colonne, le Christ devant Pilate. Carottés parce que tout simplement ces groupes sont si loin que portés à 20, 25, 30 mètres par porteur. Il demeure un tel problème de statique qu'il faut adopter l'espèce d'étrange démarche chaloupée pour déplacer ces groupes gigantesques avec d'innombrables et d'interminables arrêts pour permettre bien sûr aux porteurs, point 1, de se reposer, mais naturellement et surtout, point 2, de boire un coup. Ce qu'est un chaloupage étrange, en l'occurrence, Christ et des Marie. La nuit commence à tomber, vous pouvez voir le soir bien, alors du coup tout s'illumine, par exemple cette descente de croix, extraordinairement décorée de jonquilles. Et comme je vous l'ai dit, arrive à la fin de la procession ces deux figures obligées de toute procession de nombre de saints, que sont d'abord le corps du Christ, ça c'est bien entendu le entre guillemets char, parce que le on dit char, c'est le char le plus honorifique, il est donc donné chaque année à la corporation qui avait préparé l'année d'avant le plus beau des chars. Ici, c'était les tonniers d'entrapage qui comportaient le corps du Christ. Voilà d'ailleurs ce corps du Christ en bois, fin du XVIIe siècle, sur son lit de satin, reposant de nouveau sur son lit d'enculé. Et derrière lui, l'image de la Vierge de toutes les douleurs que vous voyez ici. Toujours aussi sicilienne dans sa divinité, dans son manteau noir, dans son inévitable mouchoir de dentelle, et surtout dans l'extraordinaire larme que lui a offert la princesse Palagonia en 1710. Qui est précédée et suivie par un cortège absolument bouleversant, ce sont toutes les veuves de l'année, en noir également, portant le mouchoir de dentelle également, portant un cierge et pieds nus, chose absolument hallucinante, vraiment. Et ainsi donc, la Vierge passe. Sitôt après, c'est le retour au sourire sicilien, les marchands de ballons, les marchands de schtroumpfs et les marchands de boustipailles quelconques. Et ainsi s'éteint le vendredi saint à Trapani. Donc, si je vous ai montré cela, c'est pas pour faire un documentaire sur le folklore en Sicile, ce serait absurde, mais pour essayer de vous montrer sur le vide un baroque qui est encore un baroque vivant, pour être ainsi. Parce que l'esprit dans lequel aussi bien Erice qu'à Trapani se célèbrent ces processions de vendredi saint, et les instruments même de ces processions à Trapani,
déjà, appartient à la civilisation du baroque, entre autres. Cet expressionnisme, ce pathétisme, cette passion, c'est du baroque gelé jusqu'au XXe siècle, pourrait-on dire. Voilà pourquoi ça m'a paru extrêmement important de vous les montrer. Pour essayer de replacer tout ce que vous venez de voir dans le cadre du XVIIe et du XVIIIe siècle qui vous intéresse ce soir, voyons autre chose, mais qui est au fond la même chose. On a conservé, vous le savez, en Sicile et à Naples, mais en Sicile surtout, les extraordinaires crèches patriciennes et familiales que chaque année on enrichissait, que chaque année on développait dans le hall de sa maison pour les grandes célébrations de Noël. Et vous savez que ces crèches, jalousement gardées dans les familles, nous sont parvenues le plus souvent intactes. Certains des grands musées comme Syracuse, Trapani surtout, mais aussi un peu Palerme, ont conservé certaines des figurines qui adornaient ces crèches, fin du XVIIe et début du XVIIIe. Or, vous voyez là des objets qui pourraient appartenir absolument à cette forme de pathétisme que nous venons de voir célébrer aujourd'hui encore dans les rues des villes d'Elche et de Trapani. Par exemple, ici, une reine des rois mages et son page, 1701, dû à un grand artiste qui était Baltasare Galliani. Ici, deuxième détail, une paysanne de la région de Catane dans son costume folklorique. Elle faisait partie de la partie berger, si vous voulez, d'une grande crèche, elle aussi, début du XVIIIe siècle. Et voilà ici une vierge à l'enfant du même Galliani de tout à l'heure, qui appartenait à l'une des plus belles et l'une des plus complètes des grandes chaires siciliennes, celle de la famille Lampedusa, qui était connue pour sa qualité absolument extraordinaire. Mais vous voyez, donc, dans les expressions, dans ces vêtements, qui sont les vêtements du jour, ben oui, du jour à la fin du XVIIe, au début du XVIIIe, bien sûr, vous retrouvez un peu cette émotion si stridente que partir en Rome à la Sicile. Et pour finir, ne faisant naturellement pas partie de ces crèches, mais en étant comme une sorte de bouture annexe, voilà un crucifix de corail, considéré comme le plus beau qui soit, dû au même Galliani, mais conservé aujourd'hui au musée de Trapani. Si je vous le montre ici, c'est parce que dans la virtuosité de la sculpture elle-même, dans l'habileté de la taille, dans l'habileté du choix du morceau de corail, dans l'agencement de l'ensemble, et surtout dans ce corail lui-même, qui est véritablement comme du sang répandu sur le bois de la croix, on retrouve, je trouve, tout ce génie même de l'expressionnisme qui, décidément, est en partie, est, disons, la partie fondamentale du génie sicilien en période baroque. Ça, c'est certainement l'un des emblèmes les plus probants que l'on puisse trouver. Après nous avoir montré l'avènement, l'entrée, pourrait-on dire, du baroque en Sicile avec les premiers exemples de Palerme, de Syracuse et de Elche, j'ai essayé de vous montrer ce qui s'y ajoutait, c'est-à-dire, encore une fois, la passion et l'expression. Cela par le biais des processions et de cette sorte de point d'ordre sur les processions qui étaient les figurines de crèche. Maintenant, j'ai l'impression que nous sommes à même de commencer à faire un deuxième tour de Sicile où nous allons voir des œuvres beaucoup plus baroques que celles que vous avez vues dans le premier tour. Le premier tour, c'était l'entrée en matière. C'était simplement pour vous dire, il y a du baroque en Sicile, regardez, boum. Tandis que maintenant, je peux vous dire qu'il y a un étrange baroque en Sicile et vous allez voir. Ce deuxième tour va nous amener à Palerme, bien sûr, une fois de plus, puis à Montréal. On ne peut peut-être pas s'attendre à ce que Montréal est célébrissime pour ses mosaïques, soit un haut lieu du baroque, pourtant, vous allez voir. Et enfin, à Taormina, qui est certainement le lieu dans lequel on peut aussi le moins s'attendre à voir du baroque. Donc, Palerme, Montréal et Taormina pour un deuxième tour, dans celui-là, vous allez voir, beaucoup plus étrange que le premier, beaucoup moins rassurant que le premier. En plein Palerme, c'est une merveilleuse église gothique, l'une des rarissimes d'ailleurs de l'île. L'église Saint-François d'Assise, avec, je profite juste de le dire au passage, une rose qui est parmi les plus belles qu'on puisse voir, certainement en Europe. Vous voyez, cette rose qui part de 12 colonnes au centre et qui se ramifie comme ça en motifs ornementaux sans cesse repris. On
on voit bien la science que pouvait avoir l'égotique de la porte arabe juste précédente. On sent très bien déjà ici l'interpénétration des styles. L'intérieur est naturellement un intérieur parfaitement gothique, ça sera de soi, sauf une chapelle. Et c'est dans cette chapelle que je vous amène maintenant. Vous voyez, vous en avez déjà pas mal ces semaines passées, des œuvres stridentes, des œuvres éclatantes, des œuvres bon. Mais je vois que vous n'avez jamais rien vu de comparable à cela. Parce que nous sommes ici. Et que donc, les normes mêmes, appelons les orthodoxes du baroque que vous avez vu jusqu'ici, sont renforcées, un, par cet art expressionniste du Sicilien, désormais j'en parlerai plus, c'est promis, mais aussi deux, par toute l'expérience des arts qui ont précédé, c'est-à-dire le sens de la volupté des arabes, c'est-à-dire le sens d'une polychromie extrêmement chatoyante et de Byzance, c'est-à-dire le sens d'un ordre architectonique hérité de la Grèce, etc., etc. Le tout donnant à l'ensemble une invraisemblable stridence vraiment. C'est valable, par exemple, simplement dans les piétons des colonnes. Regardez ces piétons de colonnes, qui sont gréco-romano-renaissanto-maniéristaux, etc. Regardez comment le marbre même de ces piétons de colonnes joue avec les incrustations de marbre coloré des latéraux. Et combien on retrouve en fait exactement les mêmes rythmes en sculpture ici et au fond à la deux dimensions de la marbre là. Donc tout cela pour une espèce d'osmose qui est comme la volute libérée d'un volcan en activité. En voilà encore un petit exemple ici, autre piétement, même église, de cette même chapelle, même église de Saint-François d'Assise, avec un couteau sur des fruits. Et vous remarquerez certainement que le nombril du couteau ressemble affolamment d'ailleurs à celui de la pomme. Là aussi, un jeu d'osmose qui est assez amusant. Quelques exemples donc qui étaient choisis dans cette première station, Palerme, église Saint-François d'Assise, chapelle baroque. Le deuxième exemple, c'est Monréal. Tout le monde, bien sûr, connaît Monréal pour, j'ai dit tout à l'heure, ses mosaïques, mais aussi pour la splendeur de son cloître. C'est peut-être le plus beau cloître du monde quant à la qualité même de ses chapiteaux historiés. Mais naturellement, c'est comme ça qu'il va être question ce soir. Dans l'église même se trouve une étrange chapelle qu'on appelle la chapelle du crucifix, car elle garde en fait une esquisse du crucifix, aujourd'hui objet encore d'une vénération intense. Or, cette chapelle a été créée à l'occasion d'une grande restauration de Montréal dans les années 1663 à 1670. On a engagé là les meilleurs marbriers. On a engagé là les meilleurs marchettistes, on a engagé là donc ces intarsiatori qui faisaient la gloire de toute l'Italie du Sud et de la Sicile en particulier pour créer une œuvre absolument étourdissante. Voilà ce que ça donne à l'intérieur. C'est-à-dire de grandes images de marbre représentant des saints et des pères de l'Église sur un vraisemblable console de marbre en pleine efflorescence et en plein tourbillonnement. Le tout de nouveau en surimpression sur une marqueterie de marbre qui ici au lieu d'être simplement plane, remarquez le bien, a la souplesse même d'une draperie en plein vol. Donc, une virtuosité technique incroyable au service d'une réalisation elle-même incroyable. Voilà un autre exemple ici avec un prophète Daniel sur sa draperie de marbre. Et surtout, montez sur ce piétement incroyable que vous avez en dessous. Quelques détails maintenant de ces deux figures que vous venez de voir. Le bas d'une colonne torse avec tout un jeu de putti s'amusant avec les instruments de la passion. Le tout monté sur des conques. Le tout monté sur un gigantesque cartouche de marbre polychrome que vous avez ici. Puis un de ces piétements avec les cariatides griffons à tête barbue, au milieu desquels ricane d'ailleurs une tête, un mascaron, qui serait comme la traduction sévère des satires de l'époque hellénistique, le tout sur fond de fruits et de fleurs, vous voyez pendouiller jusqu'au sol. Un autre avec un mascaron tragique, avec sa guirlande de fruits, bien sûr, et surtout le jeu hallucinant de ces polychromies de marbre,
marbre blanc, marbre gris, marbre pourpre, marbre sanguin. Voilà le centre d'un de ces vieillissements, avec de nouveau un de ces mascarades tragiques qui a l'air littéralement de cracher ses propres draperies. Mais ça vaut la peine de s'en mettre plein les yeux, parce que vous ne verrez ça nulle part ailleurs. Voilà le premier détail de ces draperies retombantes, c'est un autre art, celui-là, c'est celui de l'Intal, c'est à proprement parler, cette marqueterie de pierre. Nous en avions vu, vous vous souvenez bien, de bois, en période renaissance et maniériste, mais à partir du 17e, elle apparaît maintenant dans la polychromie des marbres. Elle va triompher dans tous les arts mineurs baroques, jusque, on peut dire, à la fin du 19e siècle. Voilà le marbre de Jessé avec les ancêtres du Christ. Le Christ lui-même, alors, n'est pas baroque, il daterait. Du moins le croyait-on dans les années où était restaurée cette chapelle, il daterait de l'époque byzantine. De fait, c'était le 15e siècle véritablement, il était donc réinscrit dans la prolifération végétale et historiée de l'arbre que vous avez là. Au-dessous d'ailleurs d'un dé extraordinaire sur lequel culmine la majesté de Dieu le Père, comme vous le voyez peut-être. Voilà de plus près cet arbre de Jessé avec les ancêtres du Christ. Tout cela est dans un arbre jaune, un jaune flanc caramel, si j'ose dire. Et voilà le plafond, l'étourdissant plafond, dans lequel vraiment le vertige de la foi se fait complètement, une espèce de vertige cosmique, marqué dans son épicentre par le Saint-Esprit. Une espèce de traduction borrominienne, souvenez-vous de Saint-Pierre et Saint-Carlino, en particulier le même Saint-Esprit à la lanterne, une traduction borrominienne mais qui tient vraiment une forme de cauchemar esthétique. Troisième station, après cet étourdissant Montréal, je veux dire, qu'est-ce que j'ai mieux à vous montrer? Ben j'ai mieux, mais c'est pas la faute des parents, ou presque. C'est Taormina. Taormina, qui ben, récemment, comme vous pouvez le voir, était l'objet d'une restauration complète. Alors j'avoue que c'est mes diapos qui sont baroques en l'occurrence. Mais j'ai vraiment pas pu résister au plaisir de vous montrer Taormina que vous allez découvrir dans un instant, en plein vertige, non plus spirituel, mais bulldozer cette fois-ci. Alors, vous avez vu une vue générale. Voilà l'arc même de Taormina, avec un ange tiroupéré étonnant et des boutis naturellement à trois dimensions, en stuc. Je pense que vous voyez immédiatement que c'est un art beaucoup plus provincial que l'art de Palerme et même que l'art de Montréal. Taormina, à l'époque, c'était vraiment le cul de passe-pose de la province, mais avec des moyens, nonobstant. Et voilà maintenant le cœur lui-même. Alors j'avoue que, personnellement, j'adore cette diapo parce que je trouve que le plastique a des vertus baroques parfois. Merveilleuse. Quant à l'équipe qui est là, ben, sans exagération aucune, elle était comme ça à 8h du matin, quand cette diapositive a été prise, elle était comme ça à 3h de l'après-midi de nouveau, parce qu'en fait, elle se consultait, avons-nous appris. Le fait est que la restauration pose d'énormes problèmes, vous allez voir pourquoi, tout en effet est littéralement cassé, mais morceau par morceau. Regardez bien de près si vous pouvez. Tous ces outils, il leur manque un bras, il leur manque une main, il leur manque une jambe. Tout ça est un art d'une infinie fragilité. Et donc vraiment, la campagne de restauration ici est une campagne absolument vertigineuse, celle captive. En effet, maintenant nous allons voir les chefs. Vous ne les avez pas encore vus, vous avez vu les œuvres qui étaient d'abord assez sales dans un premier temps. Débridés dans ce deuxième temps que nous venons d'achever, maintenant au milieu, peut-on dire, se situent les grands créateurs et par là même se situent les grands chefs-d'œuvre. C'est maintenant que nous allons commencer à parler de ce fameux sept potas dont le nom est un peu l'ouverture à notre rencontre de ce soir. Un troisième tour de Sicile dont on va s'entamer maintenant, essentiellement à propos d'œuvres dont la qualité, au point de vue de son renom a dépassé et de loin le cadre de la Sicile. Ce sont des œuvres qui font partie des grands chapitres de notre histoire de l'art occidental. Et d'abord, je vais vous montrer peut-être le premier grand chef-d'œuvre du
baroque en date en Sicile. C'est 1618. C'est extrêmement tôt pour la Sicile. Je me permets de vous rappeler, 1618, c'est le début de l'affirmation du baroque à Rome. Donc, 1618 en Sicile, c'est vraiment presque de la prophétie. Il s'agit en fait d'un monument étonnant. C'est simplement un escalier créé pour des religieux, des religieuses, carmélites, inutile de dire, c'est ça qui avait plus d'argent à l'époque, c'est en parenthèse, c'est pour ça que c'est un bel escalier. Donc, un escalier créé pour des carmélites en l'année 1618 dans leur fief principal, le couvent de Trapani. Alors regardez bien cet escalier, il est vraiment inouï, inouï à travers toute l'Europe. 1618. Alors voilà le couvent de Trapani. Si vous allez en Sicile dimanche prochain, vous devez absolument aller à Trapani. C'est un des lieux les plus étourdissants qui soient. Le couvent lui-même est presque entièrement de période médiévale, avec de somptueux ajouts baroques. Je vais vous dire tout de suite pourquoi les carmélites se portaient si bien en période baroque. Elles avaient simplement vendu bout par bout leur vignoble au seigneur du coin. Et avec l'argent du vin, on se fait des escaliers, voyez-vous. Alors, elles avaient complètement refait leur couvent. Et voilà cet escalier d'honneur. Alors, à première vue, je veux bien que ça ne vous a peut-être pas l'air extraordinaire. À première vue. Car quand on se met à y regarder de près, c'est positivement étourdissant. Regardez l'escalier. Il est entièrement fait de mosaïques de marbre polychromé. Donc, si vous voulez, la technique que nous avons vue se développer dans l'ordre inverse à Taormina, à Monreale et à Palerme dans notre deuxième tour de Sicile tout à l'heure, mais ici, avec une mesure et un génie qui montrent bien la chance, ou plutôt le goût qu'ont eu les carmélites dans le choix de leurs artistes. C'est vraiment une œuvre absolument étonnante que vous avez là. Et un escalier princier qui pourrait résider avec la plus fabuleuse résidence du XVIIe siècle. Regardez, parce que cette fois-ci, c'est plus du tout de la chicorée ou de la choucroute. Hein. Regardez comme ces balustres, elles-mêmes très savamment reprises, elles rappellent un tout petit peu celle du cloître de Borromini à San Carlino, si vous vous souvenez. Combien ces balustres donc borrominiennes sont bien inscrites dans ces éléments portants qui sont au palier, eux beaucoup plus proches de Berlin, pourrait-on dire, avec leur célérité un peu lourde peut-être, un peu figée peut-être, mais l'un jouant avec l'autre, la rigueur avec l'éclatement, le marbre noir, le marbre rouge, tout ça envolé, c'est-à-dire tout à fait étonnant. On voit le dernier détail ici, très près, avec donc ces mosaïques de marbre sur marbre qui marquent le grand escalier des carmélites. Et je rappelle donc, je l'ai montré à titre de curiosité, pourrait-on dire, premier chef-d'œuvre du baroque en Sicile, 1618, monastère des carmélites de Trapani. Je signale d'ailleurs aux curieux que Trapani, et ce monastère en particulier, est un lieu à ne pas manquer parce qu'on a transformé ce monastère depuis la fin du 19e siècle, si je ne m'abuse, en musée. Et c'est certainement l'une des plus belles collections de peintures de la période en gros gothique jusqu'à la période baroque, le plus beau musée de Sicile, mais certainement alors la plus belle collection d'art mineur et d'art appliqué qu'on puisse voir en Sicile. Elle est présentée d'une façon absolument exceptionnelle. Ne manquez pas. Toujours est-il donc, 1618 Trapani, c'était le point de départ de ce troisième et dernier tour de Sicile qu'on peut appeler le tour des chèvres. Nous revenons maintenant à Palerme pour parler plus en détail de Servo. Parce que celui-ci, c'est le moment où on commence à en parler. Nous sommes donc dans ce troisième tour au niveau des chefs-d'œuvre et le chef d'orchestre, le maître en pensée de ces chefs-d'œuvre, s'appelle Giacomo Servo. Comme ce n'est pas un artiste dont vous avez entendu parler tous les jours, j'ai pensé qu'une très brève biographie pourrait vous intéresser. Elle est d'ailleurs d'une brièveté, vous allez voir, canonique. Il est né à Palerme en 1656, il est mort à Palerme en 1732. Palerme, et comme vous voyez, deuxième moitié du 17e, premier tiers du 18e. Vous allez me dire, c'est tard pour du baroque. Permet de vous rappeler, nous ne sommes pas à Rome, nous sommes en Sicile. Le phénomène arrive tout de même, exception faite de l'escalier que nous montrons, c'est un peu plus
Alors Giacomo Sempotta était fils, petit-fils, arrière-petit-fils et arrière-arrière-petit-fils d'une famille de ciseleurs-stuccateurs. C'est-à-dire que cet art du stuc, il l'a dans le sang par son père, son grand-père et avant toute une série d'artistes qui plongent jusque dans la pleine Renaissance. Il a donc appris le métier de son père avec l'expérience de son grand-père et l'atavisme de son arrière-grand-père. Et quand il s'est senti assez sûr de lui, on l'a envoyé à Rome, où il n'a connu qu'une personne, parce que ça a été bref, c'est Bernin, quand tu fus mal tombé. Il a travaillé 18 mois avec Bernin. Bernin était jeune, d'ailleurs, c'était à peu près le Bernin de l'époque d'Apollon et d'Aphné de la Galerie Borghese, si vous vous souvenez, c'est virtuose. Voilà, il a découvert la passion, force, et en même temps la virtuosité de Bernin, puis il est rentré chez papa. À Palerme pour reprendre son travail. C'est en 1680 qu'il a livré sa première œuvre reconnue. C'était alors vraiment une œuvre de circonstance, c'était le monument équestre à la gloire de Charles III d'Espagne. Le monument d'ailleurs, vous pouvez le chercher dans tout Palerme, il a disparu au moment où les Espagnols ont été chassés de Sicile. Comme toujours, on a déboulonné les vieilles, oh, il y avait jamais des idoles, donc on a déboulonné les vieux tyrans, voilà. Et on les a fondus. Toutefois, il reste la maquette autographe de Sempotta, de cette œuvre étrange, et comme par hasard, elle est au musée de Trapani. Décidément, il faudra vous y rendre. 1691, c'est son premier chef-d'œuvre, dont on a parlé, cette statue disparue. Mais sa vraie maturité commence en 1688, avec l'oratoire de la confrérie du rosaire de Sainte Zita, dont je vous ai déjà parlé, et dont je vous ai déjà parlé. Un détail tout à l'heure. Nous allons voir maintenant cette œuvre et d'autres œuvres de Sempotta. Alors, là nous sommes, pour tout vous dire, juste avant le rosaire de Sainte Zita. Si je peux ainsi m'exprimer. Ça, c'est la compagnie du rosaire de Saint-Laurent, du sort de l'instant. C'est une œuvre. Bon, une pauvre compagnie, vous savez peut-être qu'en effet, elle avait le privilège, que j'aurais infiniment apprécié, de posséder un Caravage sur son maître-autel. Malheureusement, en 1969, on leur a caroté le Caravage. Et jusqu'ici, il n'est pas réapparu. Donc aujourd'hui, il y a un rideau rouge devant un maître-autel laissé vide. Mais alors, les stuccatures sont de Sempotta, vous allez découvrir maintenant. L'œuvre qui prépare le grand éclatement de l'époque de Sainte Zita, auquel nous nous consacrerons tout à l'heure. Voilà donc ce tour d'autel en stuc, avec deux anges turiféraires comme il se doit, et quelques poutilles en haut. C'est encore, si j'ose dire, extrêmement sage. Oui, mais la salle elle-même, la pièce elle-même, regardez, est absolument étourdissante. Une architecture extrêmement simple, comme vous pouvez voir, succession de grandes baies sur un plan quadrangulaire, que Sempotta s'est amusé, un, à rendre classique en y mettant de grands pilastres parfaitement droits aux angles nerveux, et anti-classique en drapant sur ces pilastres les vertus théologales et les vertus cardinales, les saintes, les vierges martyres, et surtout les poutis tenant des draperies qui commencent à créer, finissent d'ailleurs aussi par créer un espèce de délire de l'œil absolument étonnant. Et de loin en loin, selon un procédé qui lui sera cher d'ailleurs, des sortes de niches, pourrait-on dire, abritent les représentations mêmes du chemin de croix. Donc vous avez deux dimensions complètes à cette première œuvre de Sempotta, une dimension appelons la monumentale avec les grandes figures théologales et cardinales posées sur le console, et puis une dimension miniaturiste, pourrait-on dire, avec ces tableaux à trois dimensions que vous voyez s'ouvrir ici, dans chacune des niches. Voilà, une deuxième grande représentation ici de la charité, que l'on trouve à l'angle droit de l'église avec son vol de Pouty. Et de nouveau, je pense, ou déjà je pense, vous pouvez mesurer le génie de Sempotta à mettre en déroute la rigueur d'une architecture par la véhémence de sa ligne. En voilà une autre de charité,
Elle a beaucoup frappé les Siciliens de cette époque-là, tout simplement parce que, si la figure est immémoriale quant à son costume et disons à son mode de représentation même, le gosse qui est en train de la solliciter, lui, est parfaitement mémorial puisqu'il porte l'habit du petit Sicilien du début du XVIIIe siècle. Il y avait chez Zerpota ce goût de mêler le sacré le plus intemporel au présent le plus évident. Vous en verrez d'autres exemples tout à l'heure. Pour que vous mesuriez l'étourdissante virtuosité de Zerpota, voilà une petite figure d'ange de l'un des chemins de croix. Le visage que vous avez là mesure en réalité 5,4 cm. Cela vous donne un peu la mesure du génie qu'avait Zerpota lorsqu'il traitait de plâtre. Et enfin, avant de quitter, juste une partie ornementale dans laquelle je voulais aussi vous montrer le génie de la verve de Zerpota. Ça, c'est un espèce de très curieux trophée, pourrait-on dire, un peu dans l'esprit des grotesques de la période maniériste, mais avec, vous voyez, d'étonnants masques tragiques ici, et tragicomiques dans ceux qui pendent en bas. Qu'est-ce que ça vient faire dans un oratoire? Questionner les baroques, c'est très baroque, cette espèce de curieux mélange des genres, des modes et des styles dans un seul et même lieu. Ce premier oratoire, donc l'oratoire de San Lorenzo, est une préparation à l'apogée. Et l'apogée, c'est l'oratoire de la confrérie du Rosaire de Santa Zita, également à Palerme. Nous allons y entrer maintenant. Alors, vous voyez, c'est autre chose. On a donné à cette porte plus d'espace. On lui a donné plus de lumière, on lui a donné surtout une liberté beaucoup plus radicale. Et il a traité ici une œuvre qui, à première vue, mais je dis à première vue, pourrait presque passer pour bavarois. Tellement, en fait, on y sent d'esprit vocal. Mais quand on y regarde de près, la rigueur est ici beaucoup plus grande qu'elle ne sera au XVIIIe en Bavière. Et aussi, si vous le voulez, la virulence de l'esprit est beaucoup plus affirmée que dans le rococo bavarois. Vous voyez qu'il est resté fidèle à ses grands principes, deux grandes figures marquant les forces, les vertus et les vices. Ici, c'est une admirable figure représentant le courage, qui est très célèbre. Une pléiade de boutiques pour créer une sorte de sur-architecture et pour rythmer le tout, toute la série des scènes en trois dimensions représentant les différentes étapes du chemin de croix. Au-dessus de la porte est l'œuvre la plus célèbre. Au-dessus de la porte à l'intérieur, naturellement, il faut se retourner. Et vous avez là une représentation en bas-relief de la bataille de Lépante. Vous le voyez, je pense, cette bataille de Lépante qui développe son agressivité de bronze et de stuc entre la ville et la flotte. Et cette bataille de Lépante est dévoilée, comme vous pouvez le voir, par tout un cortège de boutiques. Il lève le rideau sur la bataille de Lépante, à proprement parler. Cependant, en dessous et sur la console, des étourdissantes figures sont regroupées. Étourdissantes parce que vous y voyez un très solennel trophée à l'antique. Regardez, cuirasse, hallebarde et casque. Mais auxquels sont venus étrangement s'ajouter deux petits pêcheurs pêchés par Zerpota dans la rue. Ou chez Caravage, je ne sais pas. Mais toujours est-il donc deux figures de nouveau parfaitement populistes qui sont venues prendre pied dans l'aristocratisme de cette vision céleste. Nous allons voir ça, regarde tout de suite, de plus près. Voilà donc, vous voyez peut-être ici un peu mieux, ces deux petits pêcheurs que vous avez de part et d'autre. Que cela soit fait dans les années 1770 en Europe, je veux bien, mais nous sommes loin de là pour l'instant, puisque nous sommes en fait en 1702, c'est-à-dire en une époque où de telles audaces n'avaient absolument pas le droit de citer dans toute l'Europe, sauf, semble-t-il, en Sicile. Voilà le gosse de gauche, avec ses chaussettes qui descendent, ses chaussures éculées, sa chemise qui n'a plus de boutons, et son air satisfait. Le tout en contre-pied, naturellement, des boutines les plus étourdissantes que vous avez là, notamment sur la gauche. Et voilà le gosse de droite, je ne reprends pas la description parce qu'on serait absolument identique à l'autre, lui aussi. En surimpression, des forces célestes déployées avec quelques éléments à travers tout l'espace plastique. Donc vous voyez, c'est vraiment un drôle de baroque. Et pas de doute,
Cette photo ne peut donc être que sicilien. Il n'y a pas de doute non plus. Voilà maintenant toute la partie qui est au-dessus de la bataille de Lépante, avec, je vous l'ai dit, les boutiques qui lèvent le rideau sur la bataille. Ça, c'est ce qui me paraît être la partie la plus forte d'ailleurs de cet ensemble-là. Et au-dessus, toute une série de figures représentant le vouloir divin. Car il a bien entendu fallu le vouloir divin pour que Lépante soit remportée par la cause très chrétienne. Puis tout au long de l'église, vous vous souvenez, je vous ai dit tout à l'heure, des sortes de niches représentant en miniature les différentes étapes du chemin de croix. Alors là, je tiens à vous faire aussi remarquer une chose qui me paraît, mais là, j'en suis que moi, très sicilienne. Je suis sûr que Serpota adorait le théâtre de marionnettes. Vous savez combien le théâtre des Poupées est un théâtre strictement sicilien. Vous savez combien la scène des Poupées est une scène toujours très strictement quadrangulaire sur laquelle s'agitent ces marionnettes qui se tapent dessus, se coupent la tête, s'arrachent les jambes. Vous avez certainement vu, ou l'autre, et Orlando Furioso, etc. Bien. Et là où je suis sûr que Serpota aime ça, c'est parce que son chemin de croix est traité comme un théâtre de Poupées. C'est en tout cas une scène de théâtre à la profondeur et le sens anamorphique d'espace qui est propre à une scène de théâtre. Et vraiment, d'épisode en épisode, on a l'impression d'assister à une sorte de théâtre miniature, par la même, si vous le voulez, à un théâtre de marionnettes, un théâtre de poupées, à proprement parler. Même quand les deux maris se rencontrent, comme vous pouvez voir. Regardez même la façon de créer le décor, avec cette étonnante utilité à droite, ici, qui est la porte ouverte par laquelle apparaît la servante. Oui, même, je dirais, jusque dans les ressources du décor, il y a une observation, une connaissance très nette de la théâtrale, et j'en suis sûr, de la dépourvue. Enfin, le tout se complète après la grande bataille de Lépante, après cette succession des étapes du chemin de croix, le tout se complète par une série de cariatides absolument extraordinaires dans lesquelles Serpota a voulu montrer son michelangélisme, pourrait-on dire. Alors, il y en a de nobles, comme celle que nous venons de quitter. Il y en a d'un peu niaises, comme celle-là. Il n'a pas l'air très bien de savoir pourquoi il porte quelque chose. Mais à part ça, c'est bon. Puis il y en a une que j'aime particulièrement, il y en a une souffrante, voilà. Comme celle-ci qui porte sa console comme un autre portait sa croix. Et puis il y a la dernière qui est ma préférée. Il y en a de l'irette. Voilà. Alors il y a tout un peuple, on oublierait presque de regarder tellement l'œil est sollicité partout, voilà, de ces quatre petites aux expressions si variables, aux poses aussi étranges, qui marquent tout le cadre même de l'Église. Après avoir vu cette préparation au génie qu'est l'oratoire San Lorenzo, après avoir vu ce génie affirmé qu'est l'oratoire Santa Zita, troisième étape est l'une des dernières œuvres de Serpota d'ailleurs, c'est Santo Spirito à Agrigente. Or, quand dimanche prochain vous serez donc en Sicile, n'allez pas voir que la vallée des temples à Agrigente, allez en ville, ce qu'on vous dit de faire. Et parmi les 17 églises recensées à Agrigente, allez voir surtout Santo Spirito, parce que c'est certainement l'une des plus belles églises romano-gothiques de toute l'île. Mais cette chose absolument extravagante aussi, le lieu du chef-d'œuvre de Serpota. Alors avouez qu'avec ce décor merveilleux de médiévalisme, on ne s'attend pas à trouver les pastes du baroque, eh bien, vous ne perdez rien pour attendre. Voilà. Serpota a été en effet chargé, lui et ses aides, et à la fin de sa vie, de décorer ce Santo Spirito de grandes scènes représentant les moments principaux de la vie du Christ. Alors là, vraiment, il a mis de côté tout le côté anecdotique, et même parfois la limite, si vous voulez, du comique, hérité de la tradition théâtrale populaire dont je vous parlais tout à l'heure, pour se lancer dans le grand genre romain. Il n'y a pas de doute, il s'est forcé, ça se sent. Il y a une espèce de magnifique solennité dans ces œuvres-là, mais qui n'a certainement plus la verve de tout à l'heure. Ici, par exemple, avec la présentation au temple, articulée avec le rigorisme presque d'un poussin. Regardez. Le manteau ici, et le manteau là, repris par le manteau du prêtre. Donc il y a vraiment un art infini du classicisme que Serpota a su développer ici. Ou bien, par exemple, dans ce panneau, représentant la fuite en Égypte. Vous reconnaissez, je pense, la Vierge, l'âne, Joseph, le palmier pour faire Égypte, et les boutiques pour faire Serpota.
Mais heureusement, on lui a laissé libre l'exécution du maître-autel. Alors tout ce qu'il y avait eu de, si vous le voulez, de contraignant dans ces grands panneaux de la vie du Christ a été oublié pour créer le maître-autel. Alors juste avant le maître-autel, il y a une grande arcature surmontée par des poutilles. Sous-montée par des outils également, qui ouvrent le rideau une fois de plus. Vous voyez, c'est l'aspect extraordinairement théâtral de cet art, de cette faute. Regardez là maintenant que les outils sont en vol pour des rideaux. C'est une habileté absolument machiavélique, diabolique presque, ce vol de plâtre soutenu par des ailes de plâtre. Et tout cela donc cache, ou plus exactement dévoile, le maître-autel que vous avez ici, dans lequel Serpota a pu très librement exprimer l'exaltation du Verbe, c'est-à-dire la représentation des saints docteurs de l'Église qui convergent toutes vers Dieu le Père, qui leur a inspiré le Verbe. C'est certainement l'une des œuvres les plus farouchement géniales, déchiquetées, à proprement parler, déchiquetées de Serpota, que l'on puisse voir. Voilà donc pour ce tour d'horizon, pourrait-on dire, du génie d'un artiste, à mon avis, très méconnu, qui est Giacomo Serpota, et 3 sur 12 de ses plus grandes œuvres. Car en effet, il faut bien dire, on n'a vu que 3 sur 12 des ensembles de stuccature de Maître Serpota. Nous sommes déjà beaucoup montés, mais culminé, le troisième tour est utile en un lieu donné. Ce lieu donné, ce sera la ville de Noto, parce que c'est certainement à Noto que c'est catalysé et cristallisé du coup l'esthétique baroque de la façon la plus étourdissante. Alors, nous arrêtons de courir après Serpota entre Palerme et Agrigente, on a retraversé l'île et nous arrivons donc dans la ville baroque par excellence, qui est donc Noto. Du coup, d'ailleurs, nous allons reparler plutôt d'architecture que de sculpture ou à plus forte raison de peinture. Noto, comme vous savez sans doute, c'est pas loin de l'Etna. Et l'Etna, comme vous savez sans doute, c'est le plus grand volcan d'Europe. L'Etna a frappé 135 fois mortellement depuis l'Antiquité, ce qui en fait d'ailleurs le plus méchant volcan d'Europe. Noto, qui n'est pas au pied de l'Etna, mais qui se trouvait sur une des tracées de force des éruptions volcaniques, Noto a terriblement souffert de l'Etna. Au XVIIe siècle, soit en période baroque, elle a souffert par 2 fois de façon très grave. En 1669, c'est la grande année où Catane a été presque complètement rasée, on a compté 20 000 morts à Noto. Et moins d'une génération, non, plus d'une génération plus tard, mais à peine, en 1693, c'est 60 000 morts que l'on dénombre à Noto et en ville. C'est donc dire que la ville a été radicalement et complètement rasée et détruite. Eh bien, au lendemain de 1693, deuxième éruption et la plus meurtrière, ce qui reste des habitants de Noto décide de reconstruire la ville, mais dans un lieu sûr. On choisit un site magnifiquement plat à 18 km de l'ancienne cité, recouverte bien sûr alors par la lave, et on décide de reconstruire complètement une ville. Par chance, il y avait à Noto quelques aristocrates fortunés qui vont pouvoir aider à la reconstitution de Noto. C'est un urbaniste et 2 architectes qui vont prendre la ville en main. Un urbaniste et 2 architectes. Ah oui, ça c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, j'arrête juste pour faire quelques constatations. Avoir la chance d'avoir un Etna qui a le privilège de tout vous démolir pour permettre à une ville baroque de naître, mais baroque du début à la fin, du tracé des rues jusqu'au sommet des coupoles, mais c'est fabuleux, fabuleux. J'espère que les 60 000 morts sont tous des martyrs à Palme là-haut, parce qu'ils ont travaillé pour la cause du baroque. Le fait est que Noto est maintenant l'une des plus parfaites perles du baroque que vous puissiez voir. C'est beaucoup plus grand que ce qu'est baroque baroque, parce que c'est une cohérence absolue. Alors, l'urbaniste, ça a été un dénommé Giovanni Battista Landina. Si vous vous souvenez peut-être, nous avons prononcé ce nom-là une fois
Il est en fait le descendant en ligne directe de l'un des plus grands marketeurs napolitains du XVIe siècle. On avait vu d'ailleurs des marqueteries de Lanninara il y a de cela un certain nombre de semaines. Quant aux deux architectes qui travaillent pour lui, ce sont deux fils de Notto. Ils sont nés là, mais se sont développés bien sûr entre Palerme, Syracuse et même Rome. Le premier s'appelle Rosario Gagliardi, et le deuxième s'appelle, mais son nom est célèbre parce que son descendant est célèbre, Vincenzo Sinatra. Et en effet, il est peut-être important que vous sachiez que le grand du même nom est en effet un descendant direct de Vincenzo Sinatra. Franck vient en effet de Notto, où il a déjà son monument. Alors, un urbaniste et deux architectes, Gagliardi et Sinatra, vont recréer Notto. L'urbanisme décidé est un urbanisme extraordinairement rigoureux. Il y a une place centrale articulant le tracé des quatre premières rues, deux fois une croisée, deux fois trois rangs, si vous voulez, et toute la ville s'articule à angle droit à partir de là. Donc notre vue en plan à la rigueur absolue d'un mandala oriental. C'est conçu exactement comme un mandala oriental. Les rues s'ouvrent pour aller buter sur les églises, à gauche comme à droite. Et la rigueur des rues est temporisée par les formules extravagantes des façades d'église, à gauche comme à droite. Autrement dit, il y a une espèce de bonheur scénique à Notto qui est absolument extraordinaire. Et on rêverait au fond d'une représentation fantastique d'un Don Giovanni, par exemple, qui prendrait toute la ville comme décor. Il n'y a pas eu Don Giovanni, mais signale aux amateurs, il y a eu l'Aventura. Le film L'Aventura a été tourné entièrement à Notto. Ça vous donnera un bon souvenir de ce que vous avez découvert. Merci. Alors, je vais juste vous montrer le centre du mandala parce que ça vaut la peine. C'est conçu de façon tellement baroque. On a mis ici le dôme. En face, le palais ducal. Déjà, ça c'est pas mal, c'est pas mal. Dieu et son prince. Le droit divin. Le dôme et le palais ducal. Des deux côtés du dôme, on a construit deux palais civils. L'un appartenant à la famille la plus authentique, si vous le voulez, la plus aristocratique de Notto, c'est les Landolina, le prince Landolina. Ils habitent là. Et là, c'est le palais de l'évêque. Donc vous avez deux palais à côté du dôme. Donc fatalement, avec ce jeu étonnant du reflet, qu'est-ce que vous avez à côté du palais ducal? Deux églises. Il y a donc deux églises qui sont ici. L'église des Jésuites qui se trouve là et l'église Sainte-Claire qui se trouve là. Donc vous avez pouvoir de Dieu, pouvoir du prince, flanqué du côté de Dieu par deux princes et du côté du prince par deux représentants de Dieu. Vous voyez la rigueur de pensée, j'entends. J'espère que c'est clair. Et tout, mais littéralement tout, pardon, devrait être en ligne absolument droite depuis la moto. C'est vraiment conçu comme un absolu mandala. Et en même temps, avec, on ne se continue pas, mais c'est à la dimension de l'île, en même temps, vous le verrez avec une rigueur, jusque dans le détail, qui est étourdissante. Alors maintenant, il ne nous reste plus qu'à nous promener à travers notre dôme. Alors d'abord, voilà le dôme. Il y a deux architectes, naturellement, les deux épicentres de Notto, ils vont se le partager. Le dôme est de Gagliardi. Alors voilà le dôme de Gagliardi au centre, voilà le palais de l'évêque, qui est là, et voilà le palais Landolina, donc vous voyez ici les premiers contreforts. Il faut que vous sachiez que le dôme est précédé d'un fabuleux escalier. Alors ça doit remettre en mémoire certaines des scènes de l'aventure, hein, ceux qui ont dû en son temps, une grande scène qui se passe là. Un escalier à plusieurs volets et paliers qui a une souplesse en même temps qu'une rigueur absolument étonnante. Au sommet donc, la façade infiniment classique du dôme lui-même. Toutes les splendides horizontales des degrés d'escalier sont reprises par les verticales des colonnes de la façade. Et ce jeu très rigoureux et presque romain, semble-t-il, de lignes, est contrebalancé par l'exubérance de la partie supérieure du dôme,
avec bien sûr des volutes, avec bien sûr des clochetons, et avec bien sûr toute une pléiade de vases qu'on appelait à l'époque pot pourri, mais enfin bon, de vases qui viennent comme émerder, pourrait-on dire, la mélodie même de la façade. Ça c'est donc, disons, le côté nord de la place, l'église, le coteau de Quelqu'un. Mais sur ces façades latérales, le faste du dôme continue. Nous avons en effet d'autres portes, avec d'autres porches, d'une exubérance tout aussi étonnante que certaines des œuvres que vous avez vues dans notre deuxième tour de Sicile, si vous vous souvenez. Voilà, par exemple, ceci. Une des grandes façades du dôme, dans ce chapelle motif privé, avec d'admirables couronnements de fenêtres. Et faisant face au dôme, de l'autre côté, voilà ce fameux palais du Cap. À mon avis, c'est encore plus beau. Ben ça, c'est dû à M. Sinatra. Voilà. Ça, c'est dû à Vincenzo Sinatra. Et vous pouvez voir une façade marquée en son centre par un grand rognon en avancée, qui du coup détermine, bien sûr, l'escalier de mer, la balustre de premier étage et la balustre de deuxième étage dans un admirable mouvement pyramidal. Regardez, l'escalier de mer tend la balustre de premier étage et tend la balustre de deuxième étage. Oui, le mouvement assez étonnamment pyramidal dans l'horizontalité farouche de l'ensemble. À mon humble avis, une fois de plus, c'est vraiment une des plus belles façades de Sicile que vous avez là. Voilà la porte d'entrée avec l'admirable colonne géminée d'ordre ionique. Les trois messieurs sont en train de discuter pour savoir quel est le meilleur restaurant pour notre tour. Ça, je me souviens quand je leur ai demandé. Voilà, juste un peu au-dessus de cette grande porte d'entrée, la renflure de la terrasse de premier étage, avec de nouveau ces nervures de balustrade, reprise à l'étage donc su par les baies du premier étage. Voilà pourquoi vous montrer cette verticalité des colonnes géminées, donc essayez de vous faire mesurer toute l'importance depuis plusieurs semaines, de façon de lancer toute une façade en l'air, en tout mon particulier. Voilà le cintre de la porte lui-même, avec bien entendu la dédicace aux ducs locaux. Et voilà ici l'une des portes latérales. Alors, de façon assez amusante, les deux portes latérales donnent l'une chez les Jésuites et l'autre chez Sainte-Claire. Et on a fait graver au-dessus des portes les égides de chacun des autres qui peuvent entrer par les côtés. C'est-à-dire la tiare pontificale du côté des Jésuites, ce qui est une discrète allusion à leur présence au pied du trône du Saint-Père. Et puis, de l'autre côté, une pénitence pour les Carmélites. Bien. Alors vous avez vu, ces deux grands monuments que sont le dôme et le palais du Cap. Mais comme je vous disais tout à l'heure, en plus, il y a à Noto une infinité d'églises, dont le rôle est bien attendu de permettre aux différents quartiers de la ville de marquer sa foi à la terre de Dieu, mais urbanistiquement parlant, servent à clore les perspectives. Alors je voulais vous montrer ici l'une de ces églises qui me paraît les plus belles, parce que vraiment dans cette façon de l'incurver, c'est plus de l'excurvation, comme tout à l'heure dans le palais du calme de Sinatra, c'est une incurvation, c'est ce qu'il y a, cette façon au fond, à la fois de prolonger l'espace urbain et en même temps lui donner tout de même un terme. Comme si vraiment la rue entrait en toute souplesse dans le corps même de l'édifice. Bien sûr, nous l'avons vu déjà transcrite presque deux générations auparavant par Borromini, mais vous remarquerez qu'il y a là ici une saveur extrêmement particulière. Même procédé reprise de l'autre côté de la ville, voilà. Ici, dans la très belle église Saint-Charles Borromini, qui elle est due à Sinatra. Vous allez voir surtout belle dans sa partie supérieure. Regardez cette partie supérieure. Avec une ouverture sur les cloches, donc le campanile qui fait partie de la façade, chose extrêmement rare que les parents vont découvrir
exploité énormément dans la deuxième moitié du XVIIe siècle. En fait, au moins, le Grand Dôme, le Palais Ducal, et deux de ces églises frontières, pourrait-on dire, qui marquent les bandes de la ville. Quand même, je vous montre encore deux, trois autres choses. Les fenêtres à Noto sont étourdissantes. On finit par ne regarder que ça. Parce que aujourd'hui, toutes les fenêtres, toute la façon de les mettre en page, on pourrait presque dire de les mettre en scène, est étonnante. Regardez par exemple ici, cette façon de mettre dans un grand arc en plein cintre ce fronton à port coupé. Cette façon rigoureuse, presque comme une stèle, d'inscrire le tout dans un espace, qui a l'apparence classiciste extrêmement délibéré, qui commence déjà un tout petit peu à stamper. Et ici, c'est encore classique, mais avec une espèce de drôle de souvenir normano-suave, pourrait-on dire, dans cette clé qui retombe, qui est surtout pour la robe, pardon, qui est une fantaisie de barbe, pourrait-on imaginer. Puis un peu plus loin, voilà. Un superbe balcon pour le barbier de Séville. Ça, c'est le vrai balcon poitrail noir, comme je vous disais tout à l'heure. Vous voyez comme il est, comment dire ça, admirablement mis en page, encore le plan même de ce balcon en rognon, puis l'exaltation du fer rangé, puis le retour aux deux plans de l'ouverture de la fenêtre, encore une espèce d'essence merveilleuse, je trouve. Encore un autre exemple, encore plus délirant peut-être. Alors, si vous allez à Noto, le même dimanche, achetez une maison, parce que ça tombe en ruine, pour sauver Noto, absolument. Achetez-vous. Alors, c'est pas le coin à console. Encore des balcons, alors cela, je les trouve absolument étonnants, regardez bien. Balcon à sirène et à cariatide. Et le balcon, c'est l'un des lieux de la vie sociale en période 17e, 18e le plus important. C'est celui où on est vu plus que celui où on voit. Donc ces balcons sont des écrins, hein, qu'on va en parler. Encore un balcon ici, avec des nains, la représentation de nains, et au milieu un lion qui s'est trompé de balcon, comme vous pouvez le voir. Et ça aussi, c'est une exubérance au dernier degré. Après avoir vu donc le dôme, le palais ducal, deux églises et des balcons, juste encore pendant les 3 minutes syndicales qui me restent, vous faire entrer dans une maison. De façon à ce que vous voyez que dans chaque maison, il y a un jardin secret. Avant l'entrée d'une maison, bien entendu, c'est un paraté, un sphinx, ou plus exactement, une sphinge, à appât divergent. Alors c'est elle qui garde l'entrée du jardin. Regardez-la. Alors là, je suis tout à fait sérieux. Regardez la beauté de la balustre. Regardez vraiment ce jeu de lignes. Absolument merveilleux. Balustre en marbre et fer forgé. Donnant donc sur ce fameux jardin secret, conçu un peu dans l'héritage des nymphées de la période manieriste, moins mythologique peut-être que à proprement parler sensuel, tout ce qui a été la gloire des orangers qui ont marqué à l'époque la grande tradition de Noto. Et puis de loin en loin, cet emblème que personnellement j'aime tellement, le vase Médici, que l'une des formes peut-être les plus évidentes de parole que l'on puisse voir des amateurs, le vase Médici en l'oubli total, le silence total de la ville de Pantin. Donc on retrouve que cette photo-là, ou disons ce coin de Noto-là, ce vase qui rouille, cette palme qui descend, ces plantes qui gagnent l'ensemble, ça me paraît tellement emblématique de ce qu'est la Sicile baroque que si vous êtes d'accord, c'est là-dessus que je vais conclure. Alors j'espère simplement que ce monde du baroque en Sicile ait été découvert pour le plus d'entre vous possible et je vous remercie de votre attention. C'est-à-dire le sens d'une polychromie extrêmement choix, chatoyant et de Byzance, c'est-à-dire le sens d'un ordre architectonique hérité de la Grèce, etc., etc. Le tout donnant à l'ensemble une invraisemblable stridence vraiment. C'est valable, par exemple, simplement dans les piétons des colonnes. Regardez ces piétons de colonnes, qui sont gréco-romano-renaissanto-maniéristo.
etc. Regardez comment le marbre même de ces piétements de colonne joue avec les incrustations de marbre coloré des latéraux. Et combien on retrouve en fait exactement les mêmes rythmes en sculpture ici et au fond à la deux dimensions de la partie là. Donc tout cela pour une espèce d'osmose qui est comme la volute libérée d'un volcan en activité. Voilà encore un petit exemple ici, autre piétement, même église, de cette même chapelle, même église de Saint-François d'Assise, avec un couteau sur des fruits. Et vous remarquerez certainement que le nombril du couteau ressemble affolamment d'ailleurs à celui de la pomme. Là aussi, un jeu d'osmose qui est assez amusant. Quelques exemples donc qui étaient choisis dans cette première station, Palerme, église Saint-François d'Assise, chapelle baroque. Le deuxième exemple, c'est Monréal. Tout le monde, bien sûr, connaît Monréal pour, j'ai dit tout à l'heure, ses mosaïques, mais aussi pour la splendeur de son cloître. C'est peut-être le plus beau cloître du monde quant à la qualité même de ses chapiteaux historiés. Mais naturellement, c'est pas de ça qu'il va être question ce soir. Dans l'église même se trouve une étrange chapelle qu'on appelle la chapelle du crucifix, car elle garde en fait une esquisse du crucifix, aujourd'hui objet encore d'une vénération intense. Or, cette chapelle a été créée à l'occasion d'une grande restauration de Montréal dans les années 1663 à 1670. On a engagé là les meilleurs marbriers. On a engagé là les meilleurs marquettistes, on a engagé là donc ces intarsiatori qui faisaient la gloire de toute l'Italie du Sud et de la Sicile en particulier pour créer une œuvre absolument étourdissante. Voilà ce que ça donne à l'intérieur. C'est-à-dire de grandes images de marbre représentant des saints et des pères de l'Église sur d'invraisemblables consoles de marbre en pleine efflorescence et en plein tourbillonnement. Le tout de nouveau en surimpression sur une marquetterie de marbre qui ici au lieu d'être simplement plane, remarquez-le bien, a la souplesse même d'une draperie en plein vol. Donc, une virtuosité technique incroyable au service d'une réalisation elle-même incroyable. Voilà un autre exemple ici, qui est parfaitement surréaliste, qui vous montre bien déjà sur quel goût de l'étrange le baroque va s'implanter. Car pour rappel, cette œuvre-là est encore une œuvre maniériste. Alors, faisons naître le baroque, on passe de 1674 à 1620-1630. Voilà les premières expressions du baroque palermitain. Alors, à première vue, comme à deuxième vue, ces bâtiments-là sont parfaitement romains. Et c'est vrai, Ce centre de l'ordre, ce centre et ce jeu de la diagonale, pardon, de la verticale et de l'horizontale, cette façon à la fois très somptueuse et très calme et très sereine de mettre en place les niches, les figures et les sculptures, nous montre une parfaite connaissance du bassin romain, c'est-à-dire du bassin originel du baroque. Jusque-là, je veux bien. Mais n'oubliez pas ça, c'est le premier baroque. Quand on fait du premier baroque, on obéit aux normes du baroque établi. Quelques années plus tard, une œuvre comme celle-ci est impensable. Car immédiatement, on va se mettre à la tricoter, on va se mettre à la trifouiller, on va se mettre à vouloir lui faire autre chose, et c'est cette autre chose que nous allons petit à petit découvrir. Donc ça, l'un des quatre immeubles de la très belle place des Quattro Quinti, la place des quatre coins, hein, cela, c'est vraiment le tout premier baroque. Tandis qu'après, plus tard, voilà le deuxième baroque. Alors l'œuvre est absolument admirable et étrange. Étrange, si vous voulez, de par la configuration même de l'édifice, mais aussi de par le caractère de totale ruine dans lequel il se trouve aujourd'hui. C'est certainement le plus beau palais de l'apogée du baroque à Palerme, mais aujourd'hui, il tombe en ruine. Ou plus exactement, hier, quand la photo a été faite, trois ans, ça tombait en ruine. Peut-être que maintenant, ça s'est encore amélioré, si j'ose dire. Voilà donc le piano nobile avec ses successions de baies, les unes surmontées par une petite fronton en plein cintre, les autres par un fronton brisé, avec l'orgueilleux blason de la famille au-dessus. Voilà, vu en détail, cette fenêtre d'honneur donnant sur le balcon au niveau duquel le maître de maison pouvait assister notamment au sacro-sainte procession du vendredi saint. Voilà le piano
inférieure avec des boutiques et des têtes d'animaux, au-dessous bien entendu des appartements du piano nobile. Avec, vous le voyez déjà, un changement d'ordre dans le balcon qui jusqu'alors était le balcon à la romaine, à fond droit, est en train maintenant de se renfler à la sicilienne, c'est le fameux balcon en poitrine droite, comme on l'appelle là-bas, balcon poitrine droite que vous allez retrouver à travers toute notre rencontre de ce soir. Et vous voyez qu'on commence à voir apparaître des musiciens, des vertus théologales, des vices serrés, des ancêtres du Christ. Tout cela est dans un arbre jaune, un jaune flanc caramel, si je veux dire. Et voilà le plafond, l'étourdissant plafond, dans lequel vraiment le vertige de la foi se fait complètement, une espèce de vertige cosmique, marqué dans son épicentre par le Saint-Esprit, une espèce de traduction borrominienne, souvenez-vous de Saint-Carlo, Saint-Carlino en particulier, le même Saint-Esprit à la longue terme, une traduction borrominienne, mais qui tient vraiment une forme de cauchemar esthétique. Troisième station, après cet étourdissant Montréal, je veux dire, qu'est-ce que j'ai mieux à vous montrer? Ben, j'ai mieux, mais c'est pas la faute des parents, ou presque. C'est Taormina. Taormina, qui, ben, récemment, comme vous pouvez le voir, était l'objet d'une restauration complète. Alors, j'avoue que c'est mes diapos qui sont baroques, en l'occurrence. Mais j'ai vraiment pas pu résister au plaisir de vous montrer Taormina, que vous allez découvrir dans un instant, en plein vertige, non plus spirituel, mais bulldozer, cette fois-ci. Alors, vous avez vu du général, voilà l'arc même de Taormina, avec un ange turpéré étonnant et des boutis naturellement à trois dimensions en stuc. Je pense que vous voyez immédiatement c'est un arc beaucoup plus provincial que l'arc de Palerme et même que l'arc de Montréal. Et Taormina à l'époque c'était vraiment le cul de passe-passe de la province, mais avec des moyens, nonobstant. Et voilà maintenant le cœur lui-même. Alors j'avoue que personnellement j'adore cette diapo parce que je trouve que le plastique a des vertus baroques parmi moi. Merveilleuse. Quant à l'équipe qui est là, ben, sans exagération aucune, elle était comme ça à 8h du matin, quand cette diapositive a été prise, elle était comme ça à 3h de l'après-midi de nouveau, parce qu'en fait elle se consultait. Avons-nous appris. Le fait est que la restauration pose d'énormes problèmes, vous allez voir pourquoi, tout en effet est littéralement cassé, mais morceau par morceau. Regardez bien de près si vous pouvez, tous ces outils, il leur manque un bras, il leur manque une main, il leur manque une jambe, tout ça est un art d'une infinie fragilité, et donc vraiment la campagne de restauration ici est une campagne absolument vertigineuse, c'est le cas de dire. En effet, maintenant nous allons voir les chefs. Vous ne les avez pas encore vus, vous avez vu les œuvres qui étaient d'abord assez sales dans un premier temps, débridées dans ce deuxième temps que nous venons d'achever. Maintenant, au milieu, peut-on dire, se situent les grands créateurs et par là même se situent les grands chefs-d'œuvre. C'est maintenant que nous allons commencer à parler de ce fameux un baroque romain. Il y a un baroque jésuite qui va s'installer à Palerme d'abord, puis dans toute la Sicile. Si vous voulez, c'est la première des racines de cet étrange baroque sicilien, une racine que je disais être politico-spirituelle, mais plutôt spirituelle, c'est celle d'une reconnaissance de l'ordre romain. La deuxième racine, sur trois, est simplement espagnole, naturellement. Les vice-rois sont espagnols, de famille espagnole, de culture espagnole, de langue espagnole, d'expression espagnole. Or, il y a, et vous le savez bien, un baroque espagnol. Extraordinairement véhément, extraordinairement coloré, extraordinairement dramatisé. Eh bien, les vice-rois vont implanter cette coloration, cette passion, cette dramatisation en Sicile. Donc, l'austérité du baroque strictement romain va être comme éclatée par l'exubérance du baroque espagnol. Et enfin, troisième partie, et troisième, si vous voulez, les modes de complexité de cet étrange baroque, c'est tout simplement la racine sicilienne, c'est-à-dire le résumé de tout ce qui a précédé. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'un sculpteur sicilien
Égyptien se met à sculpter une vierge sicilienne, il ne peut pas s'empêcher de souvenir qu'elle sera Sicano, Siculo, Fenicio, Greco, Romano, Vandalo, Byzantino, Arabo, Normando, Suavo, Angevine. Tout, si vous le voulez, le passé culturel va naturellement ressurgir dans ces œuvres-là. Véritablement donc, vous avez trois, j'ai dit racines, dites mâchoire si vous préférez, au baroque sicilien, celui qui est exigé par l'histoire, le baroque romain, celui qui est exigé par les circonstances, le baroque espagnol, et celui qui est exigé par le sang, le baroque sicilien, dont il sera à la fois sévère comme on est sévère à Rome, véhément comme on est véhément à Madrid, et bigarré comme on est bigarré à Palerme. Voilà ce que vous voulez, et au départ, un petit tableau de ce que sera ce baroque. Maintenant, il est temps que vous commenciez à voir. Je vais vous proposer un premier tour de ville. Un premier tour de ville rapide en trois stations. Nous allons nous rendre d'abord à Palerme, puis à Syracuse, puis à Erice. Pourquoi? Parce que Palerme est la capitale, et naturellement le baroque qui est une expression, comment dire ça, officielle du siècle. Syracuse, parce que c'est l'idéal de la ville dans laquelle, ou plutôt de laquelle, l'autorité des vice-rois était assez absente, et par la même l'aristocratie pouvait construire d'insolents monuments à sa grandeur, et Erice enfin, parce que c'est la toute petite bourgade patricienne, c'est presque le village croché comme ça sur la falaise, donc vous avez la capitale, la ville de province et la bourgade qui me paraissent être trois niveaux d'approche du baroque assez intéressant. Et cela, repris par le contrôle du prêtre. Donc il y a vraiment un art infini du classicisme que Serpota a su développer ici. Ou bien, par exemple, dans ce panneau, représentant la fuite en Égypte. Vous reconnaissez, je pense, la Vierge, l'âne, Joseph, le palmier pour faire Égypte, et les poutis pour faire Serpota. Mais heureusement, on lui a laissé libre l'exécution du maître-autel. Alors tout ce qu'il y avait eu de, si vous le voulez, de contraignant dans ces grands panneaux de la vie du Christ a été oublié pour créer le maître-autel. Alors juste avant le maître-autel, il y a une grande arcature surmontée par des poutis, sous-montée par des poutis également, qui ouvre le rideau une fois de plus. Vous voyez, c'est l'aspect extraordinairement théâtral de cet art de cette faute-là. Et regardez là vraiment que les poutis sont en vol pour des rideaux. C'est une habileté absolument machiavélique, diabolique presque, hein, ce vol de plâtre soutenu par des ailes de plâtre. Et tout cela donc cache, ou plus exactement dévoile, le maître-autel que vous avez ici, dans lequel Serpota a pu très librement exprimer l'exaltation du Verbe, c'est-à-dire la représentation des saints docteurs de l'Église qui convergent toutes vers Dieu le Père, qui leur a inspiré le Verbe. C'est certainement l'une des œuvres les plus farouchement géniales, déchiquetées, à proprement parler, déchiquetées de Serpota, que l'on puisse voir. Voilà donc pour ce tour d'horizon, pourrait-on dire, du génie d'un artiste, à mon avis, très méconnu, qui est Giacomo Serpota, et 3 sur 12 de ses plus grandes œuvres. Car en effet, il faut bien dire, on n'a vu que 3 sur 12 des ensembles de sculptures de maître Serpota. Nous sommes déjà beaucoup montés, mais culminé, troisième tour est utile en un lieu donné. Ce lieu donné, ce sera la ville de Noto, parce que c'est simplement à Noto que c'est catalysé et cristallisé du coup l'esthétique baroque de la façon la plus étourdissante. Alors, nous arrêtons de courir après cette Serpota entre Palerme et Agrigente, on a retraversé l'île et nous arrivons donc dans la ville baroque par excellence, qui est donc Noto. Du coup, d'ailleurs, nous allons reparler plutôt d'architecture que de sculpture ou à plus forte raison de peinture. Noto, comme vous savez sans doute, c'est pas loin de l'Etna. Et l'Etna, comme vous savez sans doute, c'est le plus grand volcan d'Europe. L'Etna a frappé 135 fois mortellement depuis l'Antiquité, ce qui en fait d'ailleurs le plus méchant volcan d'Europe. Alors, là nous sommes, pour tout vous dire, juste avant le rosaire de Saint-Zita, si je peux ainsi m'exprimer. Ça, c'est la compagnie de
Je vous êtes de Saint-Laurent, du sort de Manistan. C'est une pauvre compagnie, vous savez peut-être qu'en effet, elle avait le privilège, que j'aurais infiniment apprécié, de posséder un caravage sur son maître-autel. Malheureusement, en 1969, on leur a caroté le caravage. Et jusqu'ici, il n'est pas réapparu. Donc aujourd'hui, il y a un rideau rouge devant un maître-autel laissé vide. Mais alors, les sculptures sont de Serpota, vous allez découvrir maintenant. L'œuvre qui prépare le grand éclatement de l'époque de Sainte Zita, auquel nous nous consacrerons tout à l'heure. Voilà donc ce tour d'autel en stuc, avec deux anges turiféraires comme il se doit, et quelques petits en haut. C'est encore, si j'ose dire, extrêmement sage. Oui, mais la salle elle-même, la pièce elle-même, regardez, est absolument étourdissante. Une architecture extrêmement simple, comme vous pouvez voir, succession de grandes baies sur un plan quadrangulaire, que Serpota s'est amusé, un, à rendre classique en y mettant de grands pilastres parfaitement droits aux angles nerveux, et anti-classique en drapant sur ces pilastres les vertus théologales et les vertus cardinales, les saintes, les vierges martyrs et surtout les poutis tenant des draperies qui commencent à créer, qui finissent d'ailleurs aussi par créer, un espèce de délire de l'œil absolument étonnant. Et de loin en loin, selon un procédé qui lui sera cher d'ailleurs, des sortes de niches, pourrait-on dire, abritent les représentations même du chemin de croix. Donc vous avez deux dimensions complètes à cette première œuvre de Serpota. Une dimension appelons la monumentale avec les grandes figures théologales et cardinales posées sur le console. Et puis une dimension miniaturiste, pourrait-on dire, avec ces tableaux à trois dimensions que vous voyez s'ouvrir ici. Des niches. Voilà une deuxième grande représentation ici de la charité, de tout ballon de droit de l'église avec son vol de Pouty. Et de nouveau, je pense, ou déjà je pense, vous pouvez mesurer le génie de Serpota à mettre en déroute la rigueur d'une architecture par la véhémence de sa ligne. En voilà une autre de charité. Elle a beaucoup frappé les Siciliens de cette époque-là, tout simplement parce que si la figure est immémoriale quant à son costume et disons à son mode de représentation même, le corps est précipité, et vous allez voir qu'il a en Sicile de paraître un ton extrêmement particulier. Mais pour l'instant, nous en sommes à un vrai rapport, un rappel historique. Je vois donc, une fois encore, que la Sicile, comme nous la prenons aujourd'hui, est donc espagnole. Je vous rappelle que le roi d'Espagne, bien sûr, règne en Espagne et que la Sicile est administrée par un vice-roi. Ce vice-roi, ou plutôt ces vice-rois qui vont marquer le XVIIe siècle sicilien, ces vice-rois représentent les majestés de trois rois d'Espagne. Philippe II d'Espagne, qui s'appelle Filippo II en Sicile, comme par hasard. Philippe III d'Espagne, qu'on appelle Filippo II en Sicile, Philippe IV d'Espagne, qui s'appelle Filippo III en Sicile, et Charles II d'Espagne, qui s'appelle Carlo III en Sicile. Que ça ne vous étonne pas, vous savez bien que lorsque on possède la couronne de plusieurs royaumes, vos numéros dynastiques peuvent changer infiniment parce qu'ils se rattachent bien sûr à une histoire et une histoire locale. Autrement dit, quand vous allez vous mettre à lire sur la Sicile et que vous chercherez trace de Philippe III, souvenez-vous, c'est Philippe IV, et quand vous verrez mention de Charles III, souvenez-vous, c'est Charles II, ainsi le tout sera joué. Ces rois d'Espagne ne viendront jamais en Sicile. Le XVIIe siècle est une période où l'Espagne a bien d'autres problèmes. Dans la première partie du siècle, s'occuper de mettre en place son empire colonial, et dans la deuxième partie du siècle, ce qui est nettement moins rigolo, entrer dans les fameuses guerres de succession qui vont assombrir, notamment à la fin de l'année 2014, dont nous moquerons ce soir, mais à changer en tout cas le connaissage de l'histoire d'Espagne. Donc les rois sont totalement absents et se désintéressent totalement, radicalement, absolument de la Sicile. Autrement dit, les vice-rois sont véritablement de petits potentats.
et ils exerceront en Sicile un pouvoir de potentat. C'est-à-dire que tant qu'ils pourront saigner la Sicile, ils la saigneront, et cela avec une virtuosité absolument extraordinaire. Ce qui fait qu'ils sont haïs par les Siciliens, mais assez forts et assez légitimés pour être incontestés. Il y a donc une autorité centrale, celle du vice-roi, abominée par tout le monde, et juste en dessous, une aristocratie. L'aristocratie sicilienne, comme vous le savez bien, ce n'est pas rien du tout. C'est même la plus extraordinairement fière de toutes les aristocraties italiennes, notamment, et européennes, peut-on dire. Les princes Branciforte, par exemple, Valguarnera, les représentants de Dieu. Oui, la figure de pensée, j'entends, j'espère que c'est clair. Et tout, mais littéralement tout, pardon, devrait être en ligne absolument droite depuis la moto. C'est vraiment conçu comme un absolu mandala. Et en même temps, avec, où je continue pas, mais c'est à la dimension de l'île, en même temps, vous verrez, avec une rigueur jusque dans le détail, qui est étourdissante. Alors maintenant, il ne nous reste plus qu'à nous promener à travers nos motos. Alors d'abord, voilà le dôme. Il y a deux architectes, naturellement, les deux puissants de Noto, ils vont se le partager. Le dôme est de Gagliardi. Alors voilà le dôme de Gagliardi au centre. Voilà le palais de l'évêque, qui est là. Et voilà le palais Landolina, dont vous voyez ici les premiers contreforts. Il faut que vous sachiez que le dôme est précédé d'un fabuleux escalier. Alors ça va remettre en mémoire certaines des scènes de l'Aventura, ceux qui vont dire en son temps. Une grande scène qui se passe là. Un escalier à plusieurs volets et paliers qui a une souplesse en même temps qu'une rigueur absolument étonnante. Au sommet donc, la façade infiniment classique du dôme lui-même. Toutes les splendides horizontales des degrés d'escalier sont reprises par les verticales des colonnes de la façade. Et ce jeu très rigoureux et presque romain, semble-t-il, de lignes est contrebalancé par l'exubérance de la partie supérieure du dôme, avec bien sûr des volutes, avec bien sûr des clochetons, et avec bien sûr toute une pléiade de vases qu'on appelait à l'époque pot pourri, mais enfin bon, de vases qui viennent comme émerger, pourrait-on dire, la mélodie même de la façade. Ça c'est donc, disons, le côté nord de la place, l'église, le dôme de Gagliardi. Mais, sur ces façades latérales, le faste du dôme continue. Nous aurons en effet d'autres portes, avec d'autres portes, d'une exubérance tout aussi étonnante que certaines des œuvres que vous avez vues dans notre deuxième tour de Sicile, si vous vous souvenez. Voilà, par exemple, ceci. Une des grandes façades du dôme, dans ce chapelle motif privé, d'ailleurs, est admirable pour un monde-fenêtre. Et faisant face au dôme, de l'autre côté, voilà ce fameux palais du Cap. À mon avis, c'est encore plus beau. Ben ça, c'est dû à M. Sinatra. Voilà. Ça, c'est dû à Vincenzo Sinatra. Et vous pouvez voir une façade marqué en son centre par un grand rognon en avancée, qui du coup détermine bien sûr l'escalier de mer. Le premier de l'époque hellénistique, le tout sur fond de fruits et de fleurs, vous voyez, pendouillé jusqu'au sol. Un autre avec la mascasse tragique, avec sa guirlande de fruits, bien sûr. Et surtout le jeu hallucinant de ces polychromies de marbre, marbre blanc, marbre gris, marbre pourpre, marbre sanguin. Voilà le centre d'un de ces piétements, avec de nouveau un de ces mascarades tragiques qui a l'air littéralement de cracher ses propres draperies. Mais ça vaut la peine de s'en mettre les yeux parce que vous ne verrez ça nulle part ailleurs. Voilà, le premier détail de ces draperies retombantes est un autre art, celui-là, c'est celui de l'Intale, c'est à proprement parler, cette marqueterie de pierre. Nous en avions vu, vous vous souvenez bien, de bois, en période renaissance et maniériste, mais à partir du XVIIe, elle apparaît maintenant dans la polychromie même des marbres, et elle va triompher dans tous les arts mineurs baroques, jusque, on peut dire, à la fin du XIXe siècle.
sur le temps enregistré avec les ancêtres de Christ. Le Christ lui-même, alors, n'est pas baroque, il daterait, du moins le croyait-on dans les années où était restauré cette chapelle, il daterait de l'époque byzantine. De fait, c'était le 15e siècle véritablement, il était donc réinscrit dans la prolifération végétale et historiée de l'art que vous avez là. Au-dessous d'ailleurs d'un dais extraordinaire sur lequel culmine la majesté de Dieu le Père, comme vous le voyez peut-être. Voilà de plus près cet art de Jessé avec les ancêtres du Christ. Tout cela est dans un arbre jaune, un jaune blanc caramel, si j'ose dire. Et voilà le plafond, l'étourdissant plafond, dans lequel vraiment le vertige de la foi se fait complètement, le style de vertige cosmique, marqué dans son épicentre par le Saint-Esprit, une espèce de traduction borrominienne, souvenez-vous de Saint-Pierre de Saint-Carlino, en particulier le même Saint-Esprit à la long terme, une traduction borrominienne, mais qui tient vraiment une forme de cauchemar esthétique. Troisième station, après cet étourdissant Montréal, je disais, qu'est-ce que j'ai mieux à vous montrer? Ben, j'ai mieux, mais c'est pas la faute des parents, ou presque. C'est Taormina. Taormina, qui, ben, récemment, comme vous pouvez le voir, était l'objet d'une restauration complète. Alors, j'avoue que c'est mes diapos qui sont baroques, en l'occurrence. Mais j'ai vraiment pas pu résister au plaisir de vous montrer Taormina, que vous allez découvrir dans un instant, en plein Angeline. Au moins jusqu'aux rêves siciliennes, c'est-à-dire au moins jusqu'en 1282, comme chacun sait. Et à l'heure où nous allons reprendre, elle est espagnole, et cela depuis 1420. Vous voyez que ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, et surtout ça fait beaucoup de traces dans le passé atavique, dans la mémoire atavique du Sicilien. Il y a l'ordre grec, il y a le gigantisme romain, il y a la somptuosité et la coloration byzantine, il y a la transparence arabe, il y a de nouveau la discipline de la ligne suave, il y a la douceur angevine naturellement, et maintenant la rigueur espagnole. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup surtout quand on commence à voter pour le baroque, parce que naturellement ce baroque sicilien va être teinté de tout ce qui a été précité, et vous allez voir qu'il a en Sicile le baroque un ton extrêmement particulier. Mais pour l'instant, nous en sommes à un bref rapport, un rappel historique. Je vois donc, une fois encore, que la Sicile, comme nous la prenons aujourd'hui, est donc espagnole. Alors, je vous rappelle que le roi d'Espagne, bien sûr, règne en Espagne, et que la Sicile est administrée par un vice-roi. Ce vice-roi, ou plutôt ces vice-rois, qui vont marquer le XVIIe siècle sicilien, ces vice-rois représentent les majestés de trois rois d'Espagne. Philippe II d'Espagne, qui s'appelle Filippo II en Sicile, comme par hasard. Philippe III d'Espagne, qu'on appelle Filippo II en Sicile. Philippe IV d'Espagne, qui s'appelle Filippo III en Sicile. Et Charles II d'Espagne, qui s'appelle Carlo III en Sicile. Que ça ne vous étonne pas, vous savez bien que lorsque on possède la couronne de plusieurs royaumes, vos numéros dynastiques peuvent changer infiniment parce qu'ils se rattachent bien sûr à une histoire et une histoire locale. Autrement dit, quand vous allez vous mettre à lire sur la Sicile et que vous chercherez trace de Philippe III, souvenez-vous c'est Philippe IV, et quand vous verrez mention de Charles III, souvenez-vous c'est Charles II, ainsi le tout sera gelé. Ces rois d'Espagne ne viendront jamais en Sicile. Le XVIIe siècle est une période où l'Espagne a bien d'autres problèmes. Dans la première partie du siècle, s'occuper de mettre en place son empire colonial, et dans la deuxième partie du siècle, ce qui est nettement moins rigolo, entrer dans les fameuses guerres de succession qui vont assombrir, notamment à la fin de l'année 2014, dont nous moquerons ce soir, mais assombrir en tout cas le bonnes âges de l'histoire d'Espagne. Donc les rois sont totalement absents et se désintéressent totalement, radicalement, absolument de la Sicile. Autrement dit, les vice-rois sont véritablement de petits potentats. Détachés, ils l'ont simplement trouvé pas assez folle pour eux. Alors ils ont rajouté encore une partie du décor le plus étrange, le plus bigarré, le plus curieux de l'histoire.
Voilà les escaliers qui mènent à la fontaine. Voilà la fontaine elle-même, qui est une sorte de gigantesque piscine probatique, entourée de nains et d'adolescents plus ou moins ambigus, parce que Florentin est un 16e, auxquels les palermitains ont rajouté, regardez comme c'est bizarre, un rhinocéros, une girafe, un crocodile, puis quelque chose qui doit bien être un chameau, comme ça, par là au milieu. Il y a donc toute une espèce de bestiaire parfaitement inattendu et pour finir parfaitement surréaliste qui vous montre bien déjà sur quel coup de l'étrange le baroque va s'implanter. Car pour rappel, cette œuvre-là est encore une œuvre maniériste. Alors faisons naître le baroque, on passe de 1674 à 1620-1630. Voilà les premières expressions du baroque palermitain. Alors, à première vue, comme à deuxième vue, ces bâtiments-là sont parfaitement romains. Et c'est vrai, et c'est vrai. Ce centre de l'ordre, ce centre et ce jeu de la diagonale, pardon, de la verticale et de l'horizontale, cette façon à la fois très somptueuse, très calme et très sereine de mettre en place les niches, les figures, les sculptures, nous montre une parfaite connaissance du bassin romain, c'est-à-dire du bassin originel du baroque. Jusque-là, je veux bien. Mais n'oubliez pas ça, c'est le premier baroque. Quand on fait du premier baroque, on obéit aux normes du baroque établi. Quelques années plus tard, une œuvre comme celle-ci est impensable. Car immédiatement, on va se mettre à la tricoter, on va se mettre à la trifouiller, on va se mettre à vouloir faire autre chose, et c'est cette autre chose que nous allons petit à petit découvrir. Donc ça, l'un des quatre immeubles de la très belle place des Quattro Quinti, la place des quatre coins, hein, cela, c'est vraiment le tout premier baroque. Tandis qu'après, plus tard, voilà le deuxième baroque. Alors l'œuvre est absolument admirable et étrange. Étrange, si vous voulez, de par la configuration même de l'édifice, mais aussi de par le caractère de totale ruine dans lequel il se trouve aujourd'hui. C'est certainement le plus beau palais de l'apogée du baroque à Palerme, mais aujourd'hui, il tombe en ruine. Ou plus exactement, hier, quand la photo a été faite, il y a 3 ans, ça tombait en ruine. Peut-être que maintenant, ça s'est encore amélioré, si j'ose dire. Voilà donc le piano nobile, avec ses successions de baies, les unes surmontées par une petite fronton en plein cintre, les autres par un fronton brisé, avec l'orgueilleux blason de la famille au-dessus. Voilà, vu en détail, cette fenêtre d'honneur donnant sur le balcon. On choisit un site magnifiquement plat, à 18 km de l'ancienne cité, recouverte bien sûr alors par la lave, et on décide de reconstruire complètement une ville. Par chance, il y avait à notre tour quelques aristocrates fortunés qui vont pouvoir aider à la reconstitution de notre ville. C'est un urbaniste et 2 architectes qui vont prendre la ville en main. Un urbaniste et 2 architectes. Ah oui, ça c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. J'arrête juste pour faire quelques constatations. Avoir la chance d'avoir un Etna qui a le privilège de tout vous démolir pour permettre à une ville baroque de naître, mais baroque du début à la fin, c'est de tracer des rues jusqu'au sommet des coupoles, mais c'est fabuleux, fabuleux. J'espère que les 60 000 morts sont tous des martyrs à Palme là-haut, parce qu'ils ont travaillé pour la cause du baroque. Le fait est que Noto est maintenant l'une des plus parfaites perles du baroque que vous puissiez voir. C'est beaucoup plus grand que ce qu'est la Rome baroque, parce que c'est une cohérence absolue. Alors, l'urbaniste, c'était un dénommé Giovanni Battista Landina. Si vous vous souvenez peut-être, nous avons prononcé ce nom-là une fois. Il est en fait le descendant en ligne directe de l'un des plus grands marketeurs napolitains du 16e siècle. On avait vu d'ailleurs les marqueteries de Landinara il y a de cela un certain nombre de semaines. Quant aux 2 architectes qui travaillent pour lui, ce sont 2 fils de Noto. Ils sont nés là. Mais se sont développés, bien sûr, entre Palerme, Syracuse et Nemrod. Le premier s'appelle Rosario Gagliardi, et le deuxième s'appelle, mais son nom est célèbre parce que son descendant est célèbre, Vincenzo Sinatra. Et en effet, il est peut-être important que vous sachiez que le Franck du même nom est en effet un descendant
directe de Vincenzo Sinatra. Franck vient en effet de Noto, où il a déjà son monument. Alors, un urbaniste et deux architectes, Giuliani et Sinatra, vont recréer Noto. L'urbanisme décidé est un urbanisme extraordinairement rigoureux. Il y a une place centrale articulant le tracé des quatre premières rues, deux fois une croisée, deux fois trois rangs, si vous voulez, et toute la ville s'articule à angle droit à partir de là. Donc notre vue en plan à la rigueur absolue d'un mandala oriental. C'est conçu exactement comme un mandala oriental. Les rues s'ouvrent pour aller plus simplement plane, remarquez-le bien, à la souplesse même d'une draperie en plein vol. Donc, une virtuosité technique incroyable au service d'une réalisation elle-même incroyable. Voilà un autre exemple ici, avec le prophète Daniel, sur sa draperie de marbre, et surtout monté sur ce piètement incroyable que vous avez en dessous. Quelques détails maintenant de ces deux figures que vous venez de voir. Le bas du colotor avec tout un jeu de putti s'amusant avec les instruments de la passion, le tout monté sur des conques, le tout monté sur un gigantesque cartouche de marbre polychrome que vous avez ici. Puis un de ces piétements avec des cariatides griffons à tête barbue, au milieu desquels ricane d'ailleurs une tête, un mascaron, qui serait comme la traduction sévère des satires de l'époque hellénistique, le tout sur fond de fruits et de fleurs, vous voyez, pendouillés jusqu'au sol. Un autre avec un mascaron tragique, avec sa guirlande de fruits, bien sûr, et surtout le jeu hallucinant de ces polychromies de marbre blanc, marbre gris, marbre pourpre, marbre sanguin. Voilà le centre d'un de ces piétements, avec de nouveau un de ces mascarons tragiques qui a l'air littéralement de cracher ses propres draperies. Mais ça vaut la peine de s'en mettre les yeux parce que vous ne verrez ça nulle part ailleurs. Voilà le premier détail de ces draperies retombantes, c'est un autre art, celui-là, c'est celui de Vintal, c'est à proprement parler, cette marqueterie de pierre. Nous en avions vu, vous vous souvenez bien, de bois en période renaissance et maniériste, mais à partir du XVIIe, elle apparaît maintenant dans la polychromie des marbres, et elle va triompher dans tous les arts mineurs baroques, jusque, on peut le dire, à la fin du XIXe siècle. Voilà l'arbre de Jessé avec les ancêtres du Christ. Le Christ lui-même, alors, n'est pas baroque, il daterait. Du moins le croyait-on dans les années où était restaurée cette chapelle, il daterait de l'époque byzantine. De fait, c'était le 15e siècle véritablement. Il était donc réinscrit dans la prolifération végétale et historiée de l'arbre que vous avez là. Au-dessous d'ailleurs d'un dais extraordinaire sur lequel culmine la majesté de Dieu le Père, comme vous le voyez peut-être. Voilà de plus près cet arbre de Jessé avec les ancêtres du Christ, qui se ruine à plaisir pour avoir la plus belle procession, donc une image de Christ couché sur son lit de quitté. Suivi par une étonnante figure, la Vierge de Passion, recouverte comme une Sicilienne de son grand voile noir, tenant à la main, comme une Sicilienne, le mouchoir de dentelle. Très souvent pleurant des larmes de diamants, très mal cas à éléger, c'est le cas tout au moins à travers. Ce que vous voyez ici pourrait donc absolument appartenir à la procession de 1690, si j'ose m'exprimer ainsi. C'est exactement, et rien n'a changé, à l'entour même de cette première procession.
l'intensité de sa douleur à travers toute la vie, comme tous les tableaux qui ont précédé. Cela fait quelques images de cette première position de Erice. Arrêtons-nous maintenant un peu plus, et vous allez voir pourquoi, à celle de Trapani. Celle de Trapani est gigantesque, parce qu'elle est mondialement, universellement, cosmiquement connue. Donc, à l'heure actuelle, chaque corps de métier, chaque corporation est responsable d'un groupe qu'il doit porter, bien entendu, c'est déjà une entreprise, vous le verrez, mais qu'il doit aussi décorer. Alors, du même coup, s'il y a une espèce d'émulation absolument invraisemblable dans le nombre de figurants pénitents qui précèdent le nombre de figurants pénitents qui suivent, la qualité de la fanfare, l'adaptation absolument invraisemblable pour tuba et accordéon des motifs les plus beaux de la norma de Bellini, mais au rythme d'un cantique. Romano, Vandalo, Bizantino, Arabo, Normando, Suavo, Angelina. Tout, si vous le voulez,
le passé culturel va naturellement ressurgir dans ces œuvres-là. Véritablement donc, vous avez trois, je dis racines, dites mâchoire si vous préférez, au baroque sicilien, celui qui est exigé par l'histoire, le baroque romain, celui qui est exigé par les circonstances, le baroque espagnol, et celui qui est exigé par le sang, le baroque sicilien, dont il sera à la fois sévère comme on est sévère à Rome, véhément comme on est véhément à Madrid, et bigarré comme on est bigarré à Palerme. Voilà ce que vous trouvez, et au départ, un petit tableau de ce que sera ce parc. Maintenant qu'il est temps que vous commenciez à voir, je vais vous proposer un premier tour de ville. Un premier tour de ville rapide en trois stations. Nous allons nous rendre d'abord à Palerme, puis à Syracuse, puis à Erice. Pourquoi? Parce que Palerme est la capitale, et naturellement le baroque qui est une expression, comment dire ça, officielle du siècle. Syracuse, parce que c'est l'idéal de la ville dans laquelle, ou plutôt de laquelle, l'autorité des vice-rois était assez absente, et par la même ville, l'aristocratie pouvait construire d'insolents monuments à sa grandeur, et Erice enfin, parce que c'est la toute petite bourgade patricienne, c'est presque le village croché comme ça sur la falaise, donc vous avez la capitale, la ville de province et la bourgade qui me paraissent être trois niveaux d'approche du baroque assez intéressant. Et cela simplement pour vous montrer quelques exemples de ce que l'on a construit à cette époque-là, pour que vous puissiez mesurer et tout de suite la qualité économique de ce baroque sicilien. Alors si vous êtes d'accord, on part tout de suite. Au centre même de Palerme avait été érigé en 1574-75, donc on peut dire encore en période maniériste, une fabuleuse fontaine. Cette fontaine, c'était la fontaine de la place Pretoria, la place Pretoria, ce qui est entre nous. Cette fontaine a une histoire toute sicilienne, c'est-à-dire que, commandée à des Florentins par un banquier florentin, mais non payée parce que les banquiers vont banqueroute à la fin du XVIe siècle, elle avait été rachetée second hand, en seconde main, par les palermitains qui n'avaient pas de quoi s'en offrir une vraie telle à eux. Quand ils ont vu l'arrivée de leur fontaine en pièces détachées, ils l'ont simplement trouvée pas assez folle pour eux. Alors ils ont rajouté encore une partie du décor le plus étrange, craché ses propres draperies. Mais ça vaut la peine de s'en mettre les yeux parce que vous ne verrez ça nulle part ailleurs. Voilà, le premier détail de ces draperies retombantes, c'est un autre art, celui-là, c'est celui de Vintal, c'est à proprement parler, cette marqueterie de pierre. Nous en avions vu, vous vous souvenez bien, de bois, en période renaissance et maniériste, mais à partir du XVIIe, elle apparaît maintenant dans la polychromie même des marbres, elle va triompher dans tous les arts mineurs baroques, jusque, on peut le dire, à la fin du XIXe siècle. Voilà, là, le GC avec les ancêtres du Christ. Le Christ lui-même, alors, n'est pas baroque, il daterait, du moins le croyait-on dans les années où il était restauré cette chapelle, il daterait de l'époque byzantine. De fait, c'est le 15e siècle véritablement, il était donc réinscrit dans la prolifération végétale et historiée de l'art que vous avez là. Au-dessous d'ailleurs d'un dé extraordinaire sur lequel culmine la majesté de Dieu le Père, comme vous le voyez. Voilà de plus près cet arbre de Jessé avec les ancêtres du Christ. Tout cela est dans un arbre jaune, un jaune blanc caramel, si j'ose dire. Et voilà le plafond, l'étourdissant plafond, dans lequel vraiment le vertige de la foi se fait complètement, le style de vertige cosmique, marqué dans son épicentre par le Saint-Esprit. Une espèce de traduction borrominienne, souvenez-vous de Saint-Carlo, Saint-Carlino, en particulier le même Saint-Esprit à long terme, une traduction borrominienne, mais qui tient vraiment une forme de cauchemar esthétique. Troisième station, après cet étourdissant Montréal, je veux dire, qu'est-ce que j'ai mieux à vous montrer? Ben, j'ai mieux, mais c'est pas la faute des parents, ou presque. C'est Taormina. Taormina, qui, ben, récemment, comme vous pouvez le voir, était l'objet d'une restauration complète. Alors j'avoue que c'est mes diapos qui sont baroques en l'occurrence.
mais j'ai vraiment pas pu résister au plaisir de vous montrer ça au Romina que vous allez découvrir dans un instant, en plein vertige, non plus spirituel, mais bulldozer cette fois-ci. Alors, vous avez vu du général. Voilà l'arc même de Tao Mina, avec un ange tiroupéret étonnant et des outils naturellement à trois dimensions, en stuc. Je pense que vous voyez immédiatement c'est un art beaucoup plus provincial que l'art de Palerme et même que l'art de Montréal. Tao Mina, à l'époque, c'était vraiment le cul de passe-poste de la province, mais avec des moyens, nonobstant. Et là, c'est le palais de l'évêque. Donc vous avez deux palais à côté du dôme. Donc fatalement, avec ce jeu étonnant du reflet, qu'est-ce que vous avez à côté du palais ducal? Deux églises. Il y a donc deux églises qui sont ici. L'église des Jésuites qui se trouve là, et l'église Sainte-Claire qui se trouve là. Donc vous avez pouvoir de Dieu, pouvoir du prince, flanqué du côté de Dieu par deux princes, et du côté du prince par deux représentants de Dieu. Vous voyez la figure de pensée, j'entends, j'espère que c'est clair. Et tout, mais littéralement tout, pardon, devrait être absolument droit depuis la moto. C'est vraiment conçu comme un absolu mandala. Et en même temps, avec, où je ne continue pas, mais c'est à la dimension de l'île, en même temps, vous verrez avec une rigueur jusque dans le détail, qui est étourdissante. Alors maintenant, il ne nous reste plus qu'à nous promener à travers nos temps. Alors d'abord, voilà le dôme. Il y a deux architectes, naturellement, les deux épicentres de l'auto, ils vont se le partager. Le dôme est de Galliardi. Alors voilà le dôme de Galliardi au centre. Voilà le palais de l'évêque, qui est là. Et voilà le palais Landolina, dont vous voyez ici les premiers contreforts. Il faut que vous sachiez que le dôme est précédé d'un fabuleux escalier. Alors ça, ça doit remettre en mémoire certaines des scènes de la même tour, hein, ceux qui l'ont vu en son temps. Une grande scène qui se passe là. Un escalier à plusieurs volets et paliers qui a une souplesse en même temps qu'une rigueur absolument étonnante. Au sommet donc, la façade infiniment classique du dôme lui-même. Toutes les splendides horizontales des degrés d'escalier sont reprises par les verticales des colonnes de la façade. Et ce jeu très rigoureux et presque romain, semble-t-il, de lignes est contrebalancé par l'exubérance de la partie supérieure du dôme, avec bien sûr des volutes, avec bien sûr des clochetons, et avec bien sûr toute une pléiade de vases qu'on appelait à l'époque pot pourri, mais enfin bon, de vases qui viennent comme énervés, pourrait-on dire, la mélodie même de la façade. Ça c'est donc, disons, le côté nord de la place, l'église, le dôme de Galliardi. Mais, sur ces façades latérales, le faste du dôme continue. Nous aurons en effet d'autres portes, avec d'autres portes, d'une exubérance tout aussi étonnante que certaines des œuvres que vous avez vues dans notre deuxième tour de Sicile, si vous vous souvenez. Voilà, par exemple, ceci. Une des grandes façades du dôme, dans ce chapelle motif privé, avec admirable couronnement de fenêtres. Et faisant face au dôme, la centrale, articulant le tracé des quatre premières rues, deux fois une croisée, deux fois trois, si vous voulez, et toute la ville s'articule à angle droit à partir de là. Donc notons vu en plan à la rigueur absolue d'un mandala oriental. C'est conçu exactement comme un mandala oriental. Les rues s'ouvrent pour aller buter sur les églises, à gauche comme à droite. Et la rigueur des rues est temporisée par le formule extravagant des façades d'église, à gauche comme à droite. Autrement dit, il y a une espèce de bonheur scénique à l'auto qui est absolument extraordinaire. Et on rêverait au fond d'une représentation fantastique d'un Don Giovanni, par exemple, qui prendrait toute la ville comme décor. Il n'y a pas eu Don Giovanni, mais si bien aux amateurs, il y a eu l'Aventura. Le film L'Aventura a été tourné entièrement en auto. Ça vous donnera un bon souvenir de ce que vous avez découvert maintenant. Alors, je vais juste vous montrer le centre du mandala parce que ça vaut la peine. C'est conçu de façon tellement baroque comme l'idée. On a mis ici le dôme. En face, le palais ducal. Déjà, ça c'est pas mal, c'est pas Dieu et son prince.
le droit divin, le dôme et le palais du cage. Des deux côtés du dôme, on a construit deux palais civils, l'un appartenant à la famille la plus authentique, si vous le voulez, la plus aristocratique de Noto, c'est les Landolina, le prince Landolina. Vous avez cela. Et là, c'est le palais de l'évêque. Donc vous avez deux palais à côté du dôme. Donc fatalement, avec ce jeu étonnant du reflet, qu'est-ce que vous avez à côté du palais ducal? Deux églises. Il y a donc deux églises qui sont ici. L'église des Jésuites qui se trouve là, et l'église Sainte-Claire qui se trouve là. Donc vous avez pouvoir de Dieu, pouvoir du prince, flanqué du côté de Dieu par deux princes, et du côté du prince par deux représentants de Dieu. Vous voyez la figure de pensée, j'entends, j'espère que c'est clair. Et tout, mais littéralement tout, pardon, devrait être absolument droit depuis là. Noto s'est vraiment conçu comme un absolu mandala. Et en même temps, avec, bon, je continue pas, mais c'est à la dimension de l'île, en même temps, vous verrez, avec une rigueur, jusque dans le détail, qui était tourdissante. Alors, il ne nous reste plus qu'à nous promener à travers Noto. Alors d'abord, voilà le dôme. Il y a deux architectes, naturellement, les deux épicentres de Noto, ils vont se le partager. Le dôme est de Galliardi. Alors voilà le dôme de Galliardi au centre. Voilà le palais de l'évêque, qui est là. Strictement romain, va être comme éclaté par l'exubérance du baroque espagnol. Et enfin, troisième partie, et troisième, si vous le voulez, les modes de complexité de cette étrange baroque, c'est tout simplement la racine sicilienne, c'est-à-dire le résumé de tout ce qui a précédé. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'un sculpteur sicilien se met à sculpter une vierge sicilienne, il ne peut pas s'empêcher de souvenir qu'elle sera sicano, siculo, fenicio, greco, romano, vandalo, bizantino, arabo, normando, suavo, angevine. Tout, si vous le voulez, le passé culturel va naturellement ressurgir dans ces œuvres-là. Véritablement donc, vous avez trois, j'ai dit racines, dites mâchoire si vous préférez, au baroque sicilien, celui qui est exigé par l'histoire, le baroque romain, celui qui est exigé par les circonstances, le baroque espagnol, et celui qui est exigé par le sang, le baroque sicilien, dont il sera à la fois sévère comme on est sévère à Rome, véhément comme on est véhément à Madrid, et bigarré comme on est bigarré à Palerme. Voilà ce que vous voulez, et au départ, un petit tableau de ce que sera ce parc. Maintenant qu'il est temps que vous commenciez à voir, je vais vous proposer un premier tour de ville. Un premier tour de ville rapide en trois stations. Nous allons nous rendre d'abord à Palerme, puis à Syracuse, puis à Erice. Pourquoi? Parce que Palerme est la capitale, et naturellement le baroque qui est une expression, comment dire ça, officielle du siècle. Syracuse, parce que c'est l'idéal de la ville dans laquelle, ou plutôt de laquelle, l'autorité des vice-rois était assez absente, et par la même ville, l'aristocratie pouvait construire d'insolents monuments à sa grandeur, et Erice enfin, parce que c'est la toute petite bourgade patricienne, c'est presque le village croché comme ça sur la falaise, donc vous avez la capitale, la ville de province et la bourgade qui me paraissent être trois niveaux d'approche du baroque assez intéressant. Et cela simplement pour vous montrer quelques exemples de ce que l'on a construit à cette époque-là, pour que vous puissiez mesurer et tout de suite la qualité économique de ce baroque sicilien. Alors si vous êtes d'accord, on part tout de suite. Au centre même de Palerme avait été érigé en 1574-75, donc on peut dire encore en période maniériste, une fabuleuse fontaine. Cette fontaine, c'était la fontaine de la place Pretoria. C'est la place Pretoria, ce qui est entre nous. Cette fontaine a une histoire toute sicilienne, c'est-à-dire que, commandée à des Florentins par un banquier florentin, mais non payée parce que les banquiers vont banqueroute à la fin du XVIe siècle, elle avait été rachetée second hand, en seconde main,